nul lui. Lui, pff, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skill. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be the man? Ouais, il me la met. Il est au couloir. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Your location has Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Nice! C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a Billie Jean is not my love. Il arrive sur moi. Il arrive sur moi. Il me tue. Il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson. Ah, voilà. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir à la personne. Opi a donné 1€. Merci mec, pour m'acheter bah, rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse banane. Allez! Chargez! Bah non, va plus vite! Une bonne grosse bien mûre, ouais. Bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à Among Us et que pourtant je. J'ai jamais été imposteur. Car une voiture à des pneus. Évitons donc de se faire écraser. Oh mon dieu. Yes! Il est. Vigile, vigile! Il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylone. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylone et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote Six Dark Six PS4, il avait fait un kill autre fois avec une putain de WhatsApp, mes caméras, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de. J'ai jamais été imposteur, hein. Je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. On est les animaniacs. On a des contacts. Faut que tu fasses le tour, faut que tu fasses le tour. Non, faut que tu me laisses sortir. Oh, il a. Non, il a vraiment claqué. Non, non. Oh, tu m'as troll. Oh, tu m'as troll, 6-4. Allez, relax. Allez, maladas. Allez, allez, maniaque. Hang in there. Yo, you need a man pack. Joue pas trop avec moi, mec. La grosse coccinelle, hein? On la gratouille? Oui, 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 allez, ferme ta gueule. Ah, bon coup de tour. C'est 6-4. Petit cul. Grand S. Ouais, non. Quand je vais les prendre, je pense que je vais remplir. Oh! Double citadelle! Il a pris 19k le Svetlana. Ça m'énerve ça, sérieusement, les gens qui écorchent mon pseudo. Un petit cul. Oui, petit cul. Oui, 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 petit cul. Dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Thank you.
Encore une magnifique journée sur le campus de la Happy Academy. Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de cette Sunset Academy? Vous avez passé une bonne journée? Ça va tout le monde ou pas? Hein? Ah, ça va ou pas? Et ici les beaux gosses? Ouais, rentre, il y a que des beaux gosses ici. Il y a que des beaux gosses et que des belles gosses qui sont invités sur le campus de la Sunset Academy. Alright? Les autres, vous restez dehors. Allez, vous pouvez tous rentrer. Quoique non, le roi Twitch il reste dehors. Non, lui il est chum. Ouais. Il reste dehors. Les autres peuvent rentrer. Bon, ça va tout le monde? Vous avez passé une bonne journée? Hein? La balle perdue, grave. Ça va depuis hier? Vous avez passé une bonne matinée surtout? Merci infiniment, Gradrien63 pour les 23 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Le monstre. Merci beaucoup, poulet. Merci pour les 23 mois de frais de scolarité. Ouais, je sais, je suis un monstre. Allez, je retourne bosser. Bon stream. A plus tard, Gradrien. Merci pour les 23 mois. Presque 2 ans déjà que tu payes tes frais de scolarité. C'est monstrueux. Merci aussi à Oran pour les 6 mois de frais de scolarité. Merci infiniment. Ghost of Shinobi, c'était hier. Merci pour les 2 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres. Des monstres. Hein, comment vont-je? Et vous? Et vous, comment allez-vous-je? Hein? Ça va ou pas? Désolé hein, pour le retard, il est 16h. Maintenant, en fait, les streams lancent à 16h. Hein, voilà quoi. Merci infiniment. Damon Rez, nouvel étudiant du campus. Bienvenue à toi sur le campus de la SA, poulet. T'es un monstre aussi. Hola, ¿qué tal? Muy bien y tú, ¿cómo se pasa tu día? Pues hace muchos años que no he hablado español, pero no podemos hablar en español ahora. Y hoy, para todo el día. Así que, hoy nos vamos a hablar en español. No vamos a hablar francés anymore. Nada más. Alright. Nous, je bien chacal, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, Paul. Merci infiniment, Zyko, d'avoir offert la possibilité à Dak Zappi. Bientôt bac plus 0,5. J'ai pas compris. Ah, parce que ça fait 0,5 mois que t'as payé tes droits de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Ou alors... Alors attends, bientôt bac plus 0,5. Soit c'est parce que ça fait 5 mois que tu payes tes droits de scolarité au sein du campus et donc tu faisais une blague. Soit bac 0,5, tu viens... T'es devenu police, t'es gardien de la paix. Ah bah oui, je suis con. Félicitations, gardien de la paix, c'est bien, il en faut. Donc félicitations à toi, mon cher ami. Hein? Ouais, non, c'est bien, il en faut. Hein? Ouais, vire-le, ce connard. Merci évidemment Zico pour le fait d'avoir offert Daxapi ses droits de scolarité, en tout cas, un monstre. Hein? J'ai eu mon bac de 0,25 points, moi. Bravo, et t'es fier, boys? Hein? Si, si, donde está la marijuana, donde... Et moi, je lis ça comme un con, quoi. Putain, la vache. Genre, tous les Espagnols, tous les hispanophones... Tous les hispanophones, ne... Et non pas hispanophobes, fument de la ganja, quoi. C'est quoi ces clichés, quoi? Hey, muy bien. Hein, Six, comment tu vas? Bien, ça va, et vous? Au rattrapage, ici, je vais pas me moquer. Attends, mais qu'est-ce que vous parlez de rattrapage, là? On est au mois de septembre. Pourquoi vous parlez de baccalauréat, sérieusement? C'est fini, c'est quand? Mais non, c'est fini là, faut arrêter. C'est pas tout le temps en fait, le bac là. Merci infiniment, merci poulet, merci Radex pour les 11 mois de frais de scolarité. Le monstre, il déclenche le train de la hype. Merci beaucoup pour le train de la hype, le train de la hype. Merci pour les 11 mois de frais de scolarité, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Bien ou pas? Anticipation, MDR, tu m'étonnes, anticipation, vous parlez déjà. Si vous êtes en terme ou... voilà. Oui, on fait comme ça, me dit mon papa. Ok, très bien. Ouais, il doit payer le resto. Ouais. Oh, je le fais raquer un peu. Non, mais c'est important. C'est important. Ok, si vos papas sont encore là, écoutez bien cette belle leçon de vie. Si vos papas sont encore là, faites-les payer les restos jusqu'à ce qu'ils ne soient plus là, en fait. Ah, c'est vrai? Hein? Vous en pensez quoi? Salut! 6 ans que j'ai passé le bac, je me sens vieux. Putain la vache, FIFA. 6 ans le bac? Attendez, mais vous parlez du vrai bac là? Moi je l'ai passé à quel âge?
Oh la vache, je devais déjà avoir 44 ans. Non, je déconne, ça va, ça va. J'étais... Je faisais le taf. Oh, je sais plus, franchement. Sachant que j'ai dû le passer vers 20 ans, j'ai 28 ans, ça devait être il y a 7-8 ans. Ouais. À peu près, ouais, nom de Dieu. Hein? Ça fait 10 ans le bac, c'est tellement simple ce truc. Ouais. Franchement, arrête, faut arrêter. Et moi, j'ai flippé ma race au bac quand même. Non, parce qu'à chaque fois, on dit easy peasy, tu vois. Non. Franchement, moi, j'ai grave flippé quand même. La veille, étant donné que c'est là que j'ai commencé à réviser, je flippais. Vraiment, quoi. J'ai vraiment flippé pendant 24 heures. Hein, ça, je te le dis tout de suite. Voilà, quoi. Ah, il y avait un truc qui s'appelait le pavé du bac à l'époque. C'est un gros bouquin comme ça qui reprenait toute l'année scolaire. Et tu dis, ah putain, vu que j'ai rien morlé, bah c'est parti, on va commencer. Mais je me suis dit, 2 semaines, tu vois, procrastination, tu vois. Tu repousses. 2 semaines avant le bac, c'était un peu léger, tu vois. Donc, tu regardais tes programmes et tu disais, il y a 10 chapitres. Sachant que, on va en faire 6, ok ? Et tu sais pas, tu fais pas les autres, quoi. Ouais. J'ai fait un accident en voiture en allant au bac. Ah bah, bravo. Belle mentalité, ça. Easy le bac, juste parce que j'étais dans la botte des profs. What ? Et alors ? Ça n'a rien à voir de toute façon. C'est les examinateurs. J'y étais relax toutes mes études le jour du bac, j'ai transpiré. Ouais, non, mais j'ai été relax toutes mes études et pourtant le jour du bac, j'ai transpiré. Ouais, non, mais... Moi, j'ai jamais été relax et le jour du bac, j'ai transpiré, quoi. Bon, après, il y a un petit peu de... Tu vois, c'est un combat, tu vois. Non, vous trouvez pas ? Moi, je me rappelle, c'était un combat, tu vois. T'essaies vraiment de... Focus, tu vois. Tu mets ta petite montre sur le côté, là. Hop là, tac. Ok, c'est bon, t'as la petite montre, t'as le machin. La plupart du temps, moi, à l'époque, il faisait genre 40 degrés. Mais c'était la canicule, le truc. Non. Oh, c'était horrible, quoi. Tu sais, t'es comme ça et tout. Tu fais... Elle est où, ma copie double ? Elle est où, ma... Elle est là, tu sais, elle est collée et tout, dégueulasse. Avec... Oh là, c'était infâme, quoi. T'avais toute la transpiration. T'avais tout fait dégouliner et tout, machin. Non, mais genre, vraiment... Genre vraiment, non mais la clim ça existait pas, dans les vieux lycées et tout ça existe pas la clim, t'sais. En bac pro c'était prof qui te note en CCF, en contrôle continu de fuck c'est ça, toujours relax en cours et hyper relax en examen, wow. Il y en a ils flexent à mort ici quand même, hein. Et ça vous a amené où, ok? Ça vous a amené viewer, ouais, c'est pas ouf hein, franchement, hein, comme vous voyez ce que je veux dire? Ah, tu flexes, mais maintenant t'es viewer. Voilà. Toujours glisser un petit billet dans sa copie et ça passe tranquille. Ouais. Vous l'avez jamais vu cette pub ? La pub sur les examens qui était la meilleure pub au monde, sérieusement. C'est la pub avait remporté. Elle avait remporté un contest de publicité et tout machin. Vous l'aviez jamais vu cette pub ? Ah, elle était exceptionnelle. Exceptionnelle. Vas-y, faut que je vous la fasse voir. Elle est trop bien. Vous l'avez déjà vu la pub ou pas ? Une pub des années 90, ou une vieille pub. Une vieille pub où le mec lui demande « Est-ce que vous savez qui je suis ?» Vous l'avez jamais vu ? Ah putain, faut que je vous la fasse voir. Elle était tellement, tellement géniale. Putain, et là, ce mec, alors que c'était une pub, est devenu comment dire, mon idole. Vraiment. Attends, je vais essayer de la retrouver. Do you know who I am ? I am advertisement. C'est sûr, je vais la retrouver. Ah, je l'ai retrouvée, je suis trop monstre. Putain, la vache, ça fait 15 ans que je l'ai pas vue. Elle a 14 ans. 14 ans sur YouTube. Vas-y, fais voir. Je sais pas si elle est en VOST. Mais bon, pour ceux qui parlent pas anglais, hein, voilà quoi. Do you know who I am ? Ça veut dire... Non, mais sérieusement, tu sais qui je suis ? Voilà quoi. Parce que ça tourne autour de ça. Oh là là, One minute, please. Ça va pour ceux qui suivent pas l'anglais ? Vous avez compris ? Il a dit une minute. Une minute, s'il vous plaît. Non, mais je parle pour les bac pro qui sont au fond de la classe, là. One minute, please. Merde. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Posez vos stylos et apportez votre feuille. Thank you. Well done. Thank you. Merci, bien ouais. Thank you. Merci. Oh, I'm sorry.
Je suis désolé, monsieur, mais je vais pas pouvoir accepter votre copie parce que je vous ai vu continuer à écrire et c'est trop tard. Sorry, too late. Trop tard. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Vous passez pas. Sorry. Désolé. Excuse me. Do you know who I am? Vous savez qui je suis? I have absolutely no idea. J'ai absolument aucune idée. Good. Parfait. Oh putain, elle est tellement bien. Elle est tellement parfaite. Elle est tellement parfaite. La meilleure pub de tous les temps. Ah, ah franchement. Bon, il y en a une autre, mais après, il y a de la musique, donc je vais me faire strike, quoi. Non, mais elle était parfaite, celle-là. Elle était trop parfaite. Ça a été quoi, le premier jeu auquel tu as joué? On est en train de parler de publicité, Merwan 933, ok? Et le premier jeu auquel j'ai joué, mon gars, ça devait être les billes, ok? Et d'ailleurs, en parlant de billes, en parlant de billes, il faut que je vous parle d'un truc que je suis en train de regarder en ce moment. Ça faisait très longtemps. En ce moment, j'étais en train de me bouffer que du documentaire sur Netflix. Que ça, que ça, que ça. Le mon gars, le crack à New York, je suis incollable. Michael Jordan, j'aime pas le basket. Et j'ai vu The Last Dance, il est trop bien. Le truc sur... comment, j'en avais déjà parlé, le truc s'appelle The Dawn Wall, qui était sur les deux mecs qui montent une paroi donc, dans le parc Yosemite, là, aux États-Unis, qui est absolument exceptionnel. Je vous le recommande énormément si vous voulez vraiment une motivation. Si vous êtes un peu down, tu vois, dans la vie, tu regardes ça un dimanche, c'est bon, le lundi, t'es apprêté, quoi. Ça, et plein de documentaires, j'arrête pas. Mais là, pour une fois, ça faisait trop longtemps que je m'étais pas mis sur une série. Et ben, honnêtement, Squid Game, là, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, alors, j'ai commencé juste les 4 premiers épisodes, mais c'est pas si mal. Alors, c'est peut-être parce que je suis totalement amoureux du style coréen. C'est possible. C'est peut-être parce que ça me manque depuis Parasite, qui était une tuerie interstellaire. Oui, au niveau du concept, bon, c'est pas ouf dans le sens où c'est une espèce de mix entre bon, le Séoul pauvre, etc. Il y a pas mal de liens avec Parasite, d'ailleurs. Il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi, ça fait un peu Saw, donc S-A-W. Le jeu, ça fait... Sur les costumes, on dirait du Casa del Papel, quoi. Voilà, quoi. Mais déjà, enfin, les acteurs sont bons, quoi. Les acteurs sont bons et même si les comment dire, les... même si les décors et tout sont pas ouf, la prod est pas mal. Et il est vraiment pas mal. Voilà. Pas de spoil, s'il vous plaît. Ouais, ça s'appelle Squid Game. Non, je jetais juste le truc. Ils auraient quand même dû garder un truc... bouge-toi les oreilles. Ils auraient quand même dû garder un style qui a bien marché, à savoir celui de Game of Thrones. C'est-à-dire que de créer... ça aurait été vraiment bien, je pense. Ils auraient vraiment dû, quitte à copier des choses, ils auraient dû copier ça, à savoir d'avoir les balls de parfois de tuer des personnes que tu considérais dès le début comme étant des personnes qui allaient faire toute la série, en fait. Tu vois ? Et c'est ça qui a marqué dans Game of Thrones. Franchement, la première fois que tu voyais l'autre, là, qui se fait... Enfin, The King of the South, là. Voilà, le... Enfin, l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Quand il se fait couper la tête, honnêtement, dans Game of Thrones, tu te dis « What the fuck ?» Tu vois, ça surprend parce que tu te dis « C'est un personnage principal. » En plus, il est cool. En plus, il est sympa. Et ils auraient dû garder ça. Ils auraient dû garder ça. Parce que là, il y a trop le truc. C'est comme d'habitude, c'est à l'ancienne, quoi. C'est... Les personnages principaux, bon, bah, tu les vois, en fait. Tu les reconnais vite. Et voilà, quoi. Et de temps en temps, il y en a... Tu vois, le noyau est là, tu vois. Et de temps en temps, il y a un mec qui se rajoute ici par-dessus le noyau, ok. Et ce mec-là va mourir, ou le meuf va mourir, etc. Mais le noyau dur reste, tu vois. Et dans Game of Thrones, ils avaient aucun scrupule à péter le noyau. Et ça, c'était excellent. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait ça. C'est genre, tu vois, un mec que tu vas suivre pendant 3 épisodes, t'es à donf, tu l'aimes, ça passe super bien, etc. Et ils le kill. Et ça, ils le font pas. Voilà. Alors, regardez Dernier Train pour Busan. Ouais, j'ai pas trop aimé. Bon, après, moi, dès que ça parle de zombies, je suis pas un grand fan. Mais c'est très bien réalisé. Mais je suis plutôt... Parasite, j'ai adoré. Le triptyque aussi, avec Old Boys et les deux autres films, parce que c'est une trilogie sur la vengeance qui est exceptionnelle. Donc, vraiment. Et ils jouent tous bien. Ils jouent tous très, très bien, quoi.
C'est pas surjoué, c'est pas trop... Je sais pas. C'est peut-être la langue coréenne qui fait que, du coup, je vois pas les certains défauts dans le jeu d'acteur que je pourrais voir. Je sais pas, bah, la part du temps, je regarde que des trucs en anglais, donc voilà. Mais... Ou en français. Mais je sais pas, il y a un truc. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avais peur au début parce que je trouvais que ça faisait trop carton mâché, en fait. Un peu comme Casa de Papel, quoi. Tu fais, mais attends, mais ça fait pas vrai, en fait, quoi, tu vois. Les gunfights sont pas vrais, les mecs, ils ont des trucs d'airsoft, ça manque de réalisme, en fait, quoi. La porte du coffre, t'as l'impression qu'elle est en papier, quoi, voilà. Tu te sens dans un studio, en fait, tu vois. Et là, non, en fait. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu, s'il y en a qui ont commencé à le regarder, mais je vous le recommande, il est vraiment pas mal. Tu connais Peaky Blinders? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, on était juste en train de parler des nouveautés et je disais juste que tout le monde... Enfin, il y avait pas mal de gens qui ont parlé de Squid Game. Et voilà. Donc, si vous aimez le cinéma coréen, enfin, le style coréen, on va dire, bah, c'est pas si mal comme série, quoi. Vraiment. Vraiment. Parasite, un chef-d'œuvre. Ouais, mais Parasite, c'est next level. Parasite, c'est la perfection absolue. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Salut Scal, je viens d'installer Twitch juste pour tes lives car j'étais sur YouTube et je te kiffe, continue comme ça. Merci infiniment Godzilla, non ça fait plaisir, merci beaucoup poulet. The Last Kingdom, toutes vos séries. The Last Kingdom, jamais vu. The Last Kingdom, jamais vu. Salut Sig, j'ai payé mes frais de scolarité hors live, j'ai pas eu ta réaction. Waouh ! Ouah bravo ! T'as payé 3,19€ avec un prime donc t'as pas payé en fait. Et là t'es vénère, là tu te dis bah merde attends mais du coup c'est un connard. Du coup, c'est un con, en fait. Et du coup, je dois attendre un mois pour aller payer chez quelqu'un d'autre. Non, merci beaucoup. Vraiment, ça me touche énormément. T'imagines le truc horrible, sérieusement. Le mec, tu viens de t'abonner, ah, et il lance le live, et tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est un fils de pute. Merci évidemment, Oli Gainer, pour les 100 bits. Merci. 1000 bits, pardon. Et autant pour moi. Merci, poulet. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche énormément. Et merci pour les 7 mois de frais de scolarité aussi au sein du campus de la Solitaire Academy. T'es un monstre. Merci beaucoup, vraiment. Et merci poulet, si c'était vraiment le cas, Zelorx. Merci beaucoup, vraiment, ça me touche beaucoup. L'ours, The Last Kingdom. C'est quoi The Last Kingdom? Viking incroyable comme série, Sons of Anarchy. Non, mais on va pas repartir dans les anciennes séries. Là, on parlait juste de Squid, on en a déjà parlé, quoi. Viking est très bien. Bon, après, moi, j'ai lâché. Et Sons of Anarchy, j'ai lâché. Après le premier épisode. Ouais, non, ça m'a saoulé. J'ai trouvé ça naze. Naze as fuck. Vraiment. Voilà, mais bon, ça c'est... Voilà, non, en plus c'est pas vrai, je suis allé jusqu'à au cinquième épisode. À chaque fois j'étais en train de lancer le truc en me disant, mais... Et tout le monde me dit que c'est bien, c'est que ça peut pas être mauvais. Et je le regarde, tu vois, et je le regarde. Et au début je m'en voulais, tu vois, parce que je me disais, mais tout le monde me dit que c'est bien, c'est pas possible que ce soit pas bien. Donc je regarde, premier épisode j'aime pas, deuxième épisode j'aime pas, troisième épisode le jeu des acteurs est nul, les gunfights sont nuls, c'est pas réel, c'est... Ça manque de profondeur, c'est... On dirait Columbo, quoi. C'est une série télé des années 90, quoi. Je trouve ça naze. Surtout que je venais juste de regarder The Shield avant. Donc, c'est next level, The Shield. Et donc, j'ai pas du tout aimé, quoi. Et après, je me suis rappelé que certains viewers m'avaient recommandé de regarder Arsène Lupin. Et donc, après, je m'en voulais plus. Parce que je me suis dit, ben non, souviens-toi, quand même. Tu as quand même quelques-uns de tes viewers hein, qui ont des goûts à chier. Puisque Arsène Lupin, c'est quand même bien de la merde. Hein. Merci, Carlanx, pour les 7 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Solitaire Academy. Merci. Non, sérieusement. Je veux bien qu'on discute de Sons of Anarchy, mais Arsène Lupin, sérieusement, non. Hein, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Ok. Et ce câble me saoule. Ouais, ça m'énerve. Voilà. Je l'ai attaché à la chaise. Je vais partir avec. Hein, voilà. Définis tout le monde. Non, je plaisante. C'est les jeunes. The Walking Dead, meilleure série. Quelqu'un lui dit ou pas? Non mais tu peux pas dire The Walking Dead meilleure série mec, t'as regardé zéro série si tu me dis The Walking Dead meilleure série. Non en fait. Mais non mais moi j'aimerais en fait me réveiller comme ça. Toi j'ai regardé The Walking Dead, c'est pas trop mal tu vois. Et qu'on me fasse découvrir des chefs-d'œuvre quoi. À côté de ça il y a des chefs-d'œuvre, ok. Mais The Walking Dead meilleure série, mais jamais en fait, jamais. Jamais, c'est cool, voilà. The Walking Dead, c'est cool, voilà, c'est cool, hein. Le truc des zombies, c'est nul, ouais, Walking Dead, quoi, hein, c'est ça. Prison Break, c'est bien, ouais, c'est pareil, c'est cool. Tu vois, Prison Break, pourquoi pas, tu vois, mais meilleure série,
Non, meilleure série, bah les couilles. Mais que dalle, Sam-Sami. Regarde d'autres séries, Loulou. Non, c'est pas possible. T'as dû regarder 3 pauvres séries et c'est ta meilleure série dans ton top 3 parce que t'en as regardé 3. C'est pas possible. Non, on a déjà parlé. Regarde Breaking Bad, regarde The Shield et après tu viendras me voir. Breaking Bad, poulet. Breaking Bad, pour la saison 1 de True Detective. The Shield, exceptionnel. The Shield, meilleure série de tous les temps. Si t'as aimé Breaking Bad, alors je sais quand on est jeune, j'ai vu quelques influenceurs jeunes qui disaient ouais, je sais pas pourquoi, j'accroche pas. Ok, bon bah si t'accroches pas, je peux comprendre. Encore, bon voilà. Mais Better Call Saul est mieux que Breaking Bad sur certains aspects, vraiment. Ça, on en a déjà parlé. Bah si vous avez aimé Breaking Bad, franchement, ne croyez pas que... Alors El Camino, c'est de la merde, ne le regardez pas. Mais, comment dire, Better Call Saul, il est au sommet de son œuvre, en fait. Donc, quelque part, Breaking Bad, qui a été absolument exceptionnel, a servi un peu, entre guillemets, de brouillon pour Better Call Saul, quoi. Il y a vraiment des trucs dans la réal, dans la prod, dans tout dans Better Call Saul, qui est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Si t'aimes l'ambiance, etc., voilà, quoi. T'as déjà regardé The Sopranos 6 ? Non, ça fait partie des grosses lacunes, quoi. J'en ai... Je dois en avoir 50 à peu près des lacunes sur des manquements. The Sopranos en fait partie, je le sais. Je le sais, tu vois. Ça, pour le coup, je le sais. Là, il n'y a pas de discussion possible, quoi. Voilà, quoi. T'as regardé les dernières séries de Marvel, WandaVision et Loki ? Ouais, mais Marvel, c'est Disney, non ? Moi, j'ai Netflix et Amazon, hein, c'est tout, honnêtement. L'acteur de Better Call Saul joue tellement bien. Mais il est ouf, ce mec. Et c'est dingue qu'on l'ait pas revu ailleurs, d'ailleurs. Tu vois ? Benz of Brothers, top tier. Bien sûr. Attends, et ils veulent en ressortir un, Benz of Brothers. Hein. Attends, mais c'est prévu, non ? Je crois, hein. Je crois, c'est prévu pour dans pas longtemps, là. Ils vont en ressortir, hein. Non, mais Benz of Brothers, c'est la Rolls de la Rolls. Y a rien au-dessus. Moi, c'est le top 1, ça. Après, bon, voilà. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, quoi. The Shield, Benz of Brothers et Breaking Bad, pour moi, c'est mon top 3. Voilà, quoi. Dexter. Non, Dexter, tu le mets dans le même truc que Prison Break. C'est-à-dire, tu peux pas dire, ouais, c'est de la merde, tu vois. Dexter, c'est sympa, tu vois. Mais bon, c'est pas meilleure série, quoi. C'est pas meilleure série, tu vois. Ça peut pas aller dans un top, Dexter. C'est cool, quoi. Franchement, c'est une bonne série, tu vois. Voilà, quoi. Mister Robot, vraiment cool. Ouais. Franchement, Mister Robot, le seul truc qui fait que c'est cool, c'est l'acteur principal, quoi. Franchement, l'histoire, autrement... Une espèce de pseudo Fight Club, mais version hacker, quoi. Ouais, je sais pas. Mais lui, Sami machin, là, on en a déjà parlé, là. Ou Rami machin, je sais plus comment il s'appelle. Mais... Rayek. Comment il s'appelle ? Rami... Rami Malek, voilà, c'est ça. À chaque fois, je confonds entre lui et Salma Hayek, quoi, qui a pas grand-chose à voir. Quoi. Rami Malek. Big Bang Theory, ouais, mais bon. Après, il y a forcément une série genre drôle, tu vois, que t'as aimé comme ça, quoi. C'est soit How I Met Your Mother, tu vois, soit Friends, soit The Big Bang Theory, tu vois. Mais là-dedans, tu vois, c'est pareil, dans les comédies. Ah, je sais pas, après, c'est peut-être ma... Ouais, je dois être con là-dessus, je pense. Hein. Mais j'ai du mal à mettre des comédies comme étant des best séries, quoi. Mais dans ce cas-là, t'as plein de trucs hein, qui sont ouf. Hein. Brooklyn Nine-Nine est vraiment bien pour le coup, tu vois. C'est une bonne série et voilà quoi. Et si t'aimes Brooklyn Nine-Nine et ce genre de délire, tu regardes Community qui est pas mal aussi, quoi. Non, oublie pas The Office. Ah ouais, The Office, ok. Bon, après, c'est Ricky Gervais, donc bon, voilà quoi. Je suis amoureux de ce mec. Mais ouais, The Office est au-dessus. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. J'aimerais bien me sub, mais je peux pas. Je suis désolé, mon 6-4. T'inquiète, Raph. Mais ne fais pas ça pour te faire payer un sub, Raph. Tu vois ce que je veux dire ? Hein, on la connaît, la technique. Non, mais on la connaît, la technique un peu filoute, là. De dire, j'aimerais tellement. En plus, j'ai un cancer de l'œil gauche. Meilleure série ever, Shameless. What ? Shameless ? What ? Non. 10% est vraiment sympa. C'est le nom d'une série ? Ou quoi ? Donnez votre top 3. Donnez votre top 3 dans le chat. Vas-y, après, on arrête. Modern Family, c'est bien. Attends, Modern Family. Non, F for Family, c'est bien. F for Family, c'est bien. Shameless, c'est marrant. Ok. Perso, ma préférée, c'est Blacklist. Ah, Delta Cryo, avec tout le respect que je te dois, à mon avis, t'es jeune.
Ce qui sous-entend, à mon avis, t'as des goûts de merde, quand même. Non, Blacklist, c'est nul, sérieusement. Blacklist, ça fait partie... Non, mais sérieusement. Ça fait partie de ces séries où tu te dis... Les mecs, ils se sont pas fait chier chez Netflix. Ils se sont dit... Ou alors, prends la liste des top 100 meilleurs films de tous les temps. Ok ? Non, mais regardez bien. Ok. Prends la liste des top 100 meilleurs films de tous les temps. Ok, très bien. On en fait une série. Et à chaque fois, regarde la liste. Regarde la liste des top 100 meilleurs sur IMDb, tu vois. Et tu te dis, putain, mais on dirait... en fait, c'est la série de ça, quoi. Genre, Bands of Brothers, c'est la série de Soldat Ryan, tu vois. En plus, Tom Hanks, machin. Tu vois, Prison Break, c'est la série de Shawshank Redemption, tu vois. Alors oui, c'est pas pareil, etc. Mais il y a des logiques quand même derrière, quoi, tu vois. Il y a des trucs un peu comme ça, quoi. Malcolm, j'ai jamais vu. On m'a toujours dit que c'était top du top, quoi. Target SG1. Ouais, non. Stranger Things. Oh non, please, Daddy, non. Oh non, la faute grave du joueur français, quoi. Non, 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 Stranger Things, ça pue du zboop, sérieux. Je lance le jeu. Oh non, tu m'as donné envie de tout arrêter, quoi. House of Cards, ouais, il est bien. Bon, bah, jusqu'à ce que, voilà, quoi, Kevin Spacey soit viré, quoi. Mais ouais, c'était pas mal. The 100, Walking Dead, Peaky Blinders. Je connais pas. Walking Dead, ok. The Soprano, Friends, Vikings ou Peaky Blinders. Ok. Hey, personne a vu The Shield, sérieux ou quoi? Je suis pas qualifié en série. Narcos pour moi, sorry, lol. Et Narcos, parce que j'ai tellement vu de trucs sur les trafiquants, quoi. Voilà, quoi. Entre El Chapo, entre... machin, truc Guzman, machin, le cartel de Sinaloa n'a plus de secret pour moi. Bon, sérieusement, ça se lance ce jeu ou quoi? Ah, ok, merde, ok, très bien. Let's go passer dans le studio. Blacklist est pas mal. Blacklist, bon, on va faire un truc, ça ressemble au silence des agneaux. À chaque fois, je me cours. On va faire, c'est Silence of the Lambs. Version pas vraiment pareil, quoi. Non, c'est nul. Oh là, la prod est nulle, c'est mal joué en plus. Ah, j'ai pas du tout aimé. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Mais je suis surpris qu'il n'y a pas beaucoup plus de gens qui ont cité Ozark, que moi j'ai trouvé vraiment très très bien. Mais c'est très noir, quoi. Hein, mais faut aimer, quoi. The Last Kingdom, putain, vous êtes. C'est la 10e fois que je vois le nom dans le chat, sérieux. Ça arrive. Hein. The Last Kingdom. C'est si bien que ça? Ah oui, bordel, Ozark, c'est fou. Ozark, génial, j'avais oublié. Ouais, il est vraiment bien, j'attends la prochaine. Très bien, The Last Kingdom, mais c'est à propos de quoi? Esprit criminel, je trouve ça cool. Esprit criminel? C'est pas un truc d'adolescent, ça, dans les années 90, hein? Ozark, bien aussi, mais il y a trop de séries, en vrai, pour faire juste un top 3. Ouais, ouais, ouais. NCIS. Ok, El Pablo Citeo, tu viens de perdre ta place de surveillant du campus. Non, c'est bon. Oh non, nous citer, on est en train de parler de top série, l'autre il nous sort NCIS, quoi. Non, mais sérieusement, non, faut pas abuser, t'es viré, mec. Hein. Les experts Manhattan, tant qu'on y est. Non, mais grave, sérieux. Oui, la petite sirène. Oui, t'as raison. Spartacus, une nounou d'enfer aussi. Oh, c'était bien, une nounou d'enfer. Avec Fry. c'était mes entre-deux à midi. Hein? The Wire. Putain, hey, The Wire et Soprano. Je sais. Sopranos, il faudrait que je... voilà, quoi. Je le sais. J'ai une lacune là-dessus. Je le sais, il faut que je m'y mette. Je le sais. The Mandalorian. C'est si bien que ça, honnêtement. Même pour les personnes qui n'aiment pas trop Star Wars... Parce que voilà, quoi. Ma famille d'abord. Je te vois plus de la même façon depuis 30 secondes. Ma sorcière bien-aimée. Ils sont tous morts quand même. Hein. Ma mère m'avait fait extrêmement peur avec cette série. C'était dans les années 80, ça. Elle m'avait fait extrêmement peur avec cette série. En me disant, mais tu sais que c'est des trucs par rapport à la magie. Et que tout le cast est mort. Ils sont tous morts, en fait. Tous, la gamine elle est morte, la mère elle est morte, le mec il est mort, tout le monde est mort dans cette série. Ça. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais voilà, quoi. Ah. Il y a deux sons là. Ah non, c'est juste de la merde. Vas-y.
quelle série je viens d'arriver. On parlait de ma sorcière bien aimée. Ouais. Hey gringo. Ok, je me chauffe là-dessus du coup. Là. Même le mort, il est mort. Il y a un mort dans le truc. La petite maison dans la prairie, c'est incroyable. Non mais arrêtez, ça c'est mon enfance, ça, ok. La petite maison dans la prairie, Papa Schulz, merde. Bon, je me suis pas du tout chauffé, donc je vois même pas pourquoi je lance là-dessus. Je vais être vénère parce que je vais rater mes kills. Ça va m'énerver, sérieux. Amazing, bro! GG! Gossip Girl, pour toi, 6-4, ça sera impeccable, suivi des frères Scott et Undo Stress. Undo Stress. Nom de Dieu. Et on fait encore des trucs français ou pas? Tu vois, genre le truc sur la 2, là. Qui se passait à Marseille, là. Hein? 7 à la maison? C'est français, ça? The law was fighting the Graveltop gang. No, legendary, the Graveltop game. Hey, caramba! J'ai envie de tuer un mec à la grenade. Il va être pour vous celui-là. Prenons l'info. Petit 1, prenons l'info sonore. Il est mort au bout. Ah non, c'est notre pote qui a tué quelqu'un. Ok, bah c'est sympa. Moi j'ai envie de tuer des gens à la grenade. Vous faites piège en fait. Elle est trop bien ce map, franchement. Bobo boy. Elle est vraiment trop cool la map, quoi. Altered Carbon aussi, putain, je viens de m'en souvenir. Incroyable la série. Ah ouais? Sous le soleil. Sous le soleil. Non, plus belle la vie. Ouais. Vous arrivez à vous connecter au jeu? Non, pas du tout. Oh, c'est un replay là. Je fais semblant de me pencher à gauche et à droite pour donner le truc, mais. Regardez, hop là. J'anticipe. Ah, mais non, mais en fait, je peux pas anticiper. Mon loulou. What the fuck? Merde! Derrière moi. Je connais pas les lignes, moi. Encore. Oh, il est monstrueux. Il est stylé quand même ce flingue. Bam, bam, bam. Oh, dommage. Les mystères de l'amour. Ok, les mecs. Ok, vous avez des bons goûts, ça me fait plaisir. Starsky Hutch, même mamie. Attends, mais Starsky Hutch, ils ont ressorti une version il y a pas très longtemps. Putain, je me souviens, mon grand-père regardait ça. Merci Carlonx pour les 7 mois de frascolarité. Merci poulet, un monstre, vraiment. Des putains de monstres. Vous êtes des monstres. Les feux de l'amour.
Oh la vache, oh, c'est les trucs de les 70. Hein. Amour, gloire et beauté, les feux de l'amour, le chapeau melon et bottes de cuir. On a bien revu le gameplay et on a bien revu que cet homme a tiré dans une poutre. Oh putain. Ah c'est bon, je... Yeah. We can win, guys. I believe in you. Alerte Cobra. Walker Texas Ranger. Oh non, mon dieu. Non, c'est quoi ça? C'est pas le Rebelle, ça? Oh, mais n'empêche, il y en avait beaucoup des séries dans les années 90 déjà, quoi. Nous, on a juste connu ça, la vraie époque série avec Prison Break, Heroes et... On peut passer par là? Oh, nice! Ok. Last of the gang, sneer. Ouh. Ah non, mais c'est un bonhomme ça. Elle est bien, hein, franchement, la map. Elle est originale au moins, quoi. Il y avait du taf, hein. Papapapam. Hey! Merci infiniment, Rider Raid in Fervin, pour les deux mois de frais de scolarité pour l'ensemble des campus de la Salty Academy. Francis 4, tu m'apportes la confiance en moi. Tu es ma raison de vivre, un espoir pour demain. Tu es ma plus belle route vers le bonheur. Je t'aime. Merci. Ça me touche énormément. Ce message me touche énormément. Bon, moins que tes deux mois de scolarité, mais quand même. Non, je rigole. Merci beaucoup, vraiment, ça me touche énormément. Alright. Oh, je me chauffe encore, j'en fais une autre et après on part en game. Et après on part en game. Westworld et ses androïdes. Westworld. Oh, ça me rappelle. Ah non. Choupi, je connais pas. Docteur Quinn, femme médecin. Voilà, vous allez sortir tous les trucs de M6 qui étaient entre midi et deux, quoi. Voilà, quoi. C'est exactement la même chose que la première sortie. Absolument rien n'a changé. Bah, je sais pas. J'étais pas là pendant la première sortie. Mais visiblement, les gens disent que c'est la même chose. Je crois. Le manège enchanté. Lol. Non, mais sérieusement. Y'a personne ici qui est assez vieux pour avoir connu le manège enchanté. Tournicoté, tournicoton. Personne. Ouais. Hein, avec Pollux. Avec Pollux. Ça, c'était mes parents qui regardaient ça, moi. La base. Zébulon, la base. Genre, t'as quel âge, Sully, toi? J'ai 21 piges et 6. Ah bah tiens. Marie! Marie, toi qui as connu les dinosaures, tu te souviens du manège enchanté? Faut toujours que t'arrives avec le parfait timing, quoi. On est en train de parler des vieilles séries. Il y a l'équivalent féminin du père Fouras qui débarque. The Gravel Top Gang got the gold. Ouais, je m'en souviens. Oh ouais. À l'époque, je me souviens, j'allais chercher l'eau. J'allais chercher l'eau au puits. Et ça, c'était avant la tuberculose. Ah ouais.
tu m'étonnes. Et là. Pip 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 pip. Oh cette grenade. Pip 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 pip. Oh je suis trop fort. Le perforas, c'était moi le perforas les amis. La clé, tu iras chercher. Je me lève à 3h du matin. Je marche sur deux jambes. Tous les mois de septembre. Qui suis-je? Je suis en live là, je te rappelle. À plus tard. Ciao. Bisous. Pardon. Hop. Eh, je suis là. Hop là. Fils de pute, vas-y, va nique ta mère. Putain. Hélène et les garçons. C'est qui? C'est ta mère. Il s'est fait Théo. Attends, on perd. Merde. On perd contre Google Calendar en plus. Target SG1. Non mais please, Target SG1 quoi. Non mais moi je peux pas. Tous les trucs qui sont trop dans le futur là. Non, c'est mort. Si on tire sur la cloche tous les rounds de la game, on gagne un charme cloche et un pack. What? One lit. Passe à 60. Gate right around corner. Non, je voulais lire en nip fire. Merci infiniment petit 50 pour les 8 mois de frais de scolarité, t'es un monstre poulet. Vas-y, il y va pas en fire lui, ce bâtard. Elle est trop bien cette map, sérieux. 2-1. Mon coup, c'est exactement ça. C'est une vraie question ou pas? Mon coup n'est pas fatal? Mon coup n'est pas fatal! Mais je fais parfois mal. Souvent je suis dressé et sans bon la marée. Qui suis-je? Graveltop Gang. Attends, je vais pas regarder le chat, je peux pas me faire spoil. Ah, il est fort, il est très très fort. I'm already. Non mais creuse pas. Je suis déjà dans ma tombe. Ok. Ah mais on a perdu, merde, j'ai pas fait gaffe. Vas-y, on y va. Un plagiat des Cassos. Ah, oh, ça me dit rien ça. Les Cassos, c'est quoi? Attends, c'était pas le truc... c'était pas le dessin animé sur Canal Plus, là? Hein? Et le mini-série sur Canal. Oh, grave! Mais si, je m'en souviens, maintenant. Je m'en souviens bien, même. Alright. Du coup, let's go. Jouer au vrai jeu, quand même. Ça t'est déjà arrivé d'appeler un de tes abonnés? Ouais. Oui. J'ai déjà appelé la mère d'un des abonnés. J'ai déjà appelé le père d'un des abonnés pour qu'il lui offre un PC pour Noël. Et il a eu son PC. Hein. Donc tu me le dis, hein. Tu me le dis, s'il y a un problème avec papa-maman, machin, ou je sais pas qui, je gère. Je gère. Les caca, les sosos, les cassos. Franchement, j'ai pas la ref parce que j'ai dû regarder une fois et c'est tout, quoi.
1. Regarde un trailer si tu connais pas Westworld. C'est vieux ou quoi? Il a déjà dragué la mère d'un abonné. C'est probable. C'est probable. Sérieux? Ouais, c'est possible. Oh, c'est pour rigoler. Oh. 20 balles, tu fais 50 pompes, 6-4. Non, que dalle, je peux pas là. On est dans le studio du campus, tu vois, j'ai pas allé dans la salle de gym. Que dalle. 50 pompes, sérieusement. Mais 50 pompes, c'est quoi? 50 pompes, je les fais tous les matins. Bisous quand même. La vidéo elle est sur YouTube en plus, X, quand tu appelles le père. Oui, allez, c'est possible. Ouais, mais il y en a tellement de vidéos sur YouTube, je sais même pas combien on est quoi. 2-3 personnes, je crois, comme ça. Hein. Tu connais La Servante Écarlate comme série? La Servante Écarlate? Je sens le troll. Non, je connais pas. Appelle mon père pour que j'ai mon PC, alors STP. Et pourquoi il devrait te le donner, Zeus officiel? Ouais, il faut que j'arrive à le convaincre, tu vois. Mais bon, après, si c'est la galère pour lui, tu vois. Il a du mal à joindre les deux bouts, c'est compliqué, tu vois. Je vais pas lui demander en lui disant, hey, vas-y, bouge ton cul. Non, non, no troll. Non, no troll. La Servante Écarlate? C'est un vrai nom de série, honnêtement? La Servante Écarlate, jamais entendu parler de ce truc. C'est quoi cette musique de merde, là? J'ai regardé toutes les... Quoi? Attends, toutes les vidéos de la chaîne YouTube quand j'ai été puni, MDR. Bah voilà, ça c'est bien. Hein? Ça c'est important. Vraiment toutes? Voilà, bah t'es une personne bien, sache-le. Ok? T'es une personne extrêmement bien. On appelle toute la famille d'un viewer. Ah ouais, regardez, elle est là, la vidéo. Merci Pendo, vous pouvez cliquer dessus. Likez, commentez, partagez, hein, ça marche toujours. Ça aide les monteurs du campus, hein, sachez-le. Hein, faites votre bonne action de la journée. Et toi là? Alright. Tu regarderas un bout sur YouTube les trailers, il y a 4 saisons pour l'instant. Ah, parce que c'est pas fini? Moi j'aime bien les... Bon, après tu me diras, je regarde Squid Game en ce moment, à mon avis elle est pas finie puisqu'elle est toute nouvelle, mais j'aime bien les séries finies en fait. Mais bon, il y en a plus quoi. Ah si, Soprano, mais bon, il y a des séries comme ça, elles sont dures à choper quoi. Par exemple, The Shield, ça faisait genre 6 ou 7 ans que je voulais la voir, et ils l'avaient mis en dispo sur Amazon Prime pour le coup. Tu m'as tout appris en plus de l'argent 4, je suis passé à P1 en te regardant. Oh nice. C'est surtout que t'as bossé, hein. Faut pas croire. Hein. Si t'avais pas joué et que t'avais pas bossé, à mon avis, voilà quoi. Squid Game, c'est sale. Ouais, non, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Non, mais on en parlait tout à l'heure et la série est pas mal. La série est pas mal du tout au final. Elle est plutôt pas mal, ouais. Ouais. Ok. Du coup. Non, vas-y, on va kids là. Let's go top là, bande de bâtards. J'ai envie d'aller top. Bon. Vas-y, non, mais ils prennent Warden. C'est quoi ces putains de trolls là? Oh là là, mais il me prend mon... Vas-y, la flemme. Eh, Vigil devient un main, en fait, depuis 5 ans. Peut-être pas 5 ans. Drive to Survive, c'est bien. Bah, autant j'ai réussi à me mettre sur The Last Dance, qui parle du basketball alors que je suis pas un fan de basket. Enfin, qui parle de la vie de, de Michael Jordan et des Chicago Bulls, bien évidemment. Qui est exceptionnel, qui est vraiment un super super truc. Autant, j'ai pas trop envie de me mettre... un truc de la Formule 1, quoi. J'ai vraiment du mal avec la Formule 1, ça me fait chier la Formule 1, vraiment. Oh bon, les goûts, les couleurs, hein. Tu joues pas Jaeger 6? Ouais non, je joue pas Jaeger. Non, je joue pas Jaeger. Enfin, souvent, je me promène, tu sais. J'aime bien me promener. Bomb located by op 4. Attends, y'a pas ta tête là-dessus là?
C'est pas ta tête. Oh là là, moi je te mets tout dans la tête, toi tu sais pas viser, mais c'est toi qui me tue. They're attacking green. Blue. Oh là là, lui il a tout bon lui. Blue. Lui il est mort dans 3, 2, 1. Oh shit, you're all dead. How the fuck that happened? 0. We all dead. Y'en a un là, non? I don't see no one. I don't see no one. Y'a clairement le bruit de tête. Ouais, non, mais laisse tomber. C'est un de Boss X. Quel monstre, en fait. 2v2, Flores. Diffuser located. Protect the bomb. Qu'est-ce que tu l'as? One friendly operator remaining. How that nigga. Op 4, last op standing. Ah, on va pas être content. Ah ouais, il y a du niveau. Merci infiniment Eden. Merci poulet, t'es un monstre. Bienvenue au campus de la Salty Academy. Poulet. Warden va faire le clutch. Eh non. Bien tenté, mais non. Allô tout le monde. Bon, sûrement Junkies Royal début octobre. Donc vous avez intérêt de taguer les pépites. Début octobre. Ça a l'air de s'orienter vers ça. Si vous voulez taguer les pépites, c'est sur Twitter, pas ailleurs. Voilà quoi. Enfin, ça va sur Twitter. Pardon. Merci infiniment Blackburn pour les 3 mois de frais de scolarité payés au sein du campus. Des monstres. Des monstres. On est en train de préparer pas mal de trucs là en ce moment. On essaie de faire au mieux. Personne ne défend blanc. One red tower. One in front of the main. A bomb has been located by one on the balcony here. Please check the white stairs. Can you check the white stairs? Someone? One red tower. White stairs. Ouais, bon, laisse tomber. Tu peux rien faire avec des totos pareils. Oui, oui, oui. Hello, Kouayou. Plus trop le temps de suivre les lives. Heureusement qu'il y a la chaîne YouTube. Merci, Babchar. T'inquiète, poulet. Merci beaucoup, t'es un monstre, poulet. Vraiment. Mission failed. All friendlies have been neutralized.
Waouh, le mec a 6206 et il joue sur une table en verre. Oui. Bon bah quoi qu'on fasse, de toute façon les mecs sont des totos. Donc prenons la kid et allons nous mettre top red tower et puis on s'arrache. Il le demande en plus quelqu'un escablant. Bah ouais ouais, que veux-tu? Que veux-tu, ça arrive hein. All right. Protect the bombs. Changing mags. On va les laisser aller là-bas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir pour le prochain Unity's Royal? Hein? Raid run dead. Tu les as mute aussi, non? Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais, s'il commence à dire des N-words, je peux pas faire grand-chose. Non, non. Comment veux-tu que je sache, moi? Ils ont ouvert le closet, les mecs. Quoi. Comment veux-tu qu'on sache qu'ils aient ouvert le closet, putain de bordel de merde? Après, je peux pas les démuter, hein. S'ils commencent à être... voilà, quoi. Vu les mots qu'ils utilisent, je peux pas faire grand-chose. On est d'accord, les camouflages universels ont augmenté dans prix. Alors là, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais des personnes dans le chat, à mon avis, doivent avoir une idée. Mais alors moi, les camouflages, tu sais, les skins, je m'en fiche. Ça va, Taloula? Merci pour les 33 mois de frais de scolarité payés comme un bon étudiant qui se respecte sur le campus de la Salty Academy. Alright, ça va plutôt bien. Hein? Voilà, quoi. Merci en tout cas, vraiment, vous êtes des monstres, les amis. Alright. Bah, on peut rien faire. Hein. Les mecs sont auto en défense, on va rien faire en attaque. Hein. Ça, c'est une évidence. Ça, on est à peu près sûr là-dessus. Hein? On est à peu près sûr que si les mecs sont les gogoles, eh bah, ça va pas changer les masses. Le camo ne fait pas le skill. Si, pour Twitch et pour Capcan. Surtout pour Twitch et Capcan, en fait. Qui d'autre? Personne. Non, le élite de Twitch et le élite de Capcan, si, en fait. Bah, il fait pas le skill, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Ça aide, en tout cas. Leurs gadgets sont mieux en élite qu'ils ne le sont en normal. Puisqu'ils sont moins visibles. Franchement, je sais pas si vous en rappelez, mais moi, pour moi, quand Twitch était sorti en élite, honnêtement, j'avais encore des PTSD, quoi. J'avais encore des syndromes post-traumatiques
de quand elle était de son drone sur Border. Je la voyais pas, tu sais. Même Valkyrie. Valkyrie en appareil photo là ? Genre sa couleur de merde là, en marron ? Que ses caméras elles changent pas ? Comment ça, genre ses cams ? Attends, les cams de Valkyrie changent ? Ouais, vas-y, bah, franchement, j'en avais aucune idée, tu vois. Selon l'angle de cosinus et de sinus, ça s'atterrit sur le balcon ici. Pas du tout. T'es à la trappe toi, non ? Pourquoi c'est trop dur ? Je suis tellement mort si j'y vais. Ils font rien mes potes, c'est ouf hein. There's one in the armory. Ah mais il me troll en plus avec son arme là. On va tenter un truc. Oh merde. Vas-y, ils veulent troller, moi j'ai envie de troller aussi. Moi. M'excite pas trop toi, je te le dis tout de suite parce que vous allez commencer à m'énerver. Si vous me prenez un peu trop pour un jambon, ça va m'énerver. Après je vais activer et vous allez être vénère. Et celle-là elle servira pour plus tard, tu vois. Parce que le mec est là. Jump now, white stairs. Ne cassez pas trop les couilles, vous là. J'aime pas qu'on prenne pour un jambon de Bayonne. Bim! Est-ce que moi je peux mettre mon niveau juste. Tu vois, juste au-dessus du... Juste au-dessus des mecs, là. Enfin, non, mais il faut les calmer un peu, tu vois. En fait, il y a mon ego. Et là, c'est un ego chill aujourd'hui, tu vois. Donc, je joue en mode chill. Très bien. S'il commence à me gratter la rondelle... Ah, j'aime pas qu'on me gratte la rondelle. Du coup, hop. Hop là. Meilleur skin, c'est Doka Elite. C'est laquelle déjà, Doka Elite ? Oh, avec son... Elle a une petite salopette ? We need to locate a bomb. C'est la plus belle Doka, de toute façon, on le sait tous. Dommage qu'elle ait des armes de merde. Je n'ai jamais joué ce perso parce qu'elle avait sa M14, quoi. Je ne sais pas jouer avec une DMR. Je déteste jouer avec une DMR. Ah ! J'ai eu le réflexe, avez-vous noté, de ne pas vous péter les oreilles. Bon, mon micro a le Covid maintenant, mais...
Non, non, construction. Ah, fuck it, man! God the fuck it! Eh, franchement, hey, Twitch en 1.5, c'est d'une bombe, quoi. J'ai rarement été trop con, quoi. Pendant des années, je disais, ouais, j'ai de la merde et tout. Mais c'est trop bien! C'est trop bien! L'arme est parfaite, ça tombe parfaitement. Ça bouge pas, ça n'a pas de recoil. Ça n'a pas de recoil. Ça ne bouge pas. Where are they? Oula. Ouais, Bayer Dynamics. Tu vas me prendre la main, toi? Tu veux me battre avec un truc à une balle? Ok. Il a cassé la fenêtre. You kill the vigil? Nice. Les drones de Twitch. Oui. Ah, tu veux qu'on joue? Keep fire. Pip pip. Vous savez pas vous arrêter comme ça. Pile à la. Hop là. Je joue avec vous. Moi je te prends, je te baise. Qu'est-ce que je veux avec ce jeu, mon gars? Pixel. Oh, lui il est vraiment tout orange. BOSG à coq sur Doka. Ah non, moi je sais pas comment les gens ils font. Donc, enfin, tout à l'heure, tu sais, on collait des bons trucs là sur le truc western, tu vois. Je sais que je peux coller des bons gros trucs, ok. Mais je me sens pas. Je me sens pas. Je sais pas. Je me sens pas à l'aise en fait, tu vois. Il est vraiment beau ce skin, non? Franchement, c'est celui-là qu'il faut garder, non? Le skin requin là. Oh non, la France, hein. La France ! Pardon. Ouais, non, désolé. Non, c'était... Hulk Hogan, c'était Hulk Hogan. We need to locate a bomb. Vraiment, vraiment question 6-4, flash hider ou compensateur ? J'en ai aucune idée. Franchement, ne me posez pas ces questions. J'ai l'impression que ce truc change tous les 3 jours. Je sais pas. Je vois des mecs avec des... Ça n'a aucun sens. Donc voilà quoi. Je trouve vraiment que là-dessus, il y a un gros boulot de qui devrait être fait de la part d'Ubisoft qui est vraiment à la ramasse quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de simplification du truc sur tout, ok? Ils ont voulu simplifier plein de choses sur le jeu. Très bien, ok, je comprends et au final, c'est une bonne chose. En tout cas, en tant que créateur de contenu, moi, c'est une bonne chose. Plus de gens, machin, tout ça. En revanche, les compensateurs, les trucs, les machins, il est temps quand même de dire... Ok, bah, il y en a. En fait, il faudrait appeler ça compensateur horizontal, compensateur vertical et compensateur, je sais pas moi, tu vois. Et d'arrêter avec un truc qui a un frein de bouche, ok, donc c'est censé freiner, donc machin. Tu vois, avant, je pouvais dire par exemple, bah, moi pour les DMR, je préfère mettre un frein de bouche, machin. Mais il n'y a pas de logique en fait, il n'y a pas de logique quoi. T'as l'impression que c'est. Et du coup, ça rend le côté un peu. D'un côté, qui était sexy il y a 4 ans et que j'adorais ce côté élitiste en disant, moi. Sur, par exemple, sur Yana, je préfère le frein de bouche, tu vois. Ou d'avoir de conversations avec des pros qui vont dire, moi sur Blackburn, bah je mets le frein de bouche, par exemple, ok. Alors que tu disais, ouais, mais c'est pas la DMR. Ouais, mais franchement, essaye, tu verras. Ah ouais, c'est pas mal, tu vois. Mais en fait, ça veut dire que ça crée un edge de connaissance qui est pas bon pour les nouveaux arrivants, en fait. Donc le fait de dire, ouais, ça compense horizontalement ou verticalement, visiblement, c'est pas le cas. Puisqu'on a quand même des personnes qui prennent Yana avec le frein de bouche. Alors s'il y a une raison derrière... Une raison autre que c'est « Ouais, je préfère. » Donc une vraie raison, pourquoi pas?
Tu vois? Mais j'ai envie d'entendre cette raison pour le coup. Il va y avoir un mec là, mon gars. Ici, hein, je le vois sur mon. Voilà quoi. En face de toi. Ah ouais? Ah ouais, je le vois sur mon. Voilà quoi. Donc il m'attend là maintenant. What the fuck? On va pas toi. Oh, je l'ai complètement loupé. Hein. En vrai, ça tire trop de balles d'un coup, je trouve. I'm coming, guys! I'm coming and we can plant a bomb and it's a 3v3. Wait! Time to ring some ears. He's at the top. Top, top, top. Please check the drone. He is going to come here. Is active, protected at all costs. I can game sense him. No? Je vais mourir là-dessus. Friendly, last operator standing. Op 4 neutralized. Nice, nice guys. Very nice. Mais c'est vrai que je les ai mutés. Nice one guys, nice calls. We can do it, hein. Ah, mais c'est trop bien Twitch. Eh, franchement, mais Twitch est trop bien. C'est trop bien. C'est tellement facile à jouer. C'est trop bien. Ça tire tellement des bastos. Ça bouge pas. C'est trop bien. Non, vraiment, hein, vraiment. Oh là là, c'est un putain de bonheur, quoi. C'est un putain de bonheur. C'est kiffant, c'est jouissif. C'est la R4C nouvelle génération quoi. Elle est trop bien. Avec une 1.5, c'est trop bien. Ça tire trop bien, c'est parfait, c'est précis. T'as l'impression d'avoir la puissance de feu de... C'est ouf en fait. C'est ouf. C'est ouf. Pourquoi j'ai un C25 aussi? Elle est trop bien. J'ai déjà dit qu'elle était trop bien. En plus c'est français, mais grave. En plus elle est française. Looking pretty fly, my guy. What? Not you. Ok. La la la. Personne passe par là, quoi. Sauf lui. Pip, 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 pip. They have a Montagueau. Montagueul? Da. Ok. Bah ta gueule alors. Ok. Vas-y médique toi, toi. Deux fois. Deux fois que tu me le fais. Deux fois. Ouais, ouais, regarde, ouais, regarde avant, ouais. Ouais, 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 ouais. Top of the morning, top of the morning. You can do it, guys. Top of the morning, top of the morning. Yes, I'm watching the red stairs. Top of the morning. They are the blue bunker. They are exterminating you. Top of the morning. They're on point. Yes. How? They teleported. Ah, si je meurs, c'est fini. Il y a un truc qui me chiffonne, c'est que sur Vigil, beaucoup de pros jouent poignée verticale sur Vigil. Yeah, ah. Tu remarqueras que la plupart du temps, sur de la grosse. Quand le Elo est très très haut, ok.
Maintenant, c'est vraiment du pixel shoot, quoi. Tu vois, vraiment, tu fais plus les AE pour essayer d'aller trigger un peu un mec et tout. Tu peux plus te permettre ça, quoi. Tu peux plus te permettre ça. Donc, c'est vraiment tac, 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 tac. D'où le fait, il y avait à peu près 3 semaines ou 1 mois, quand j'avais envoyé à Renshiro, je lui avais dit, mais mec, j'ai l'impression que 100% des pros maintenant sont en toggle, quoi. Il n'y a plus personne qui est en hold. Et il me dit, ouais, tout le monde est en toggle. Et j'ai dit, ouais, donc en fait, voilà quoi. Maintenant, en fait, ce qui est marrant, c'est que, d'une certaine façon, on se décale comme on aurait pu penser que des noobs se décaleraient, en fait. C'est-à-dire, j'arrive devant un corner, je connais la ligne, un peu à la CS quelque part. Je m'incline, et en restant incliné, je fais du strafe. Alors qu'avant, c'était une wave que tu faisais, tu vois, c'était ça, tu vois. Tu venais chercher, trigger le truc, tu tires des balles, machin. Et vite, c'était un peu de la boxe anglaise, le truc. Maintenant, c'est fini, ça. Boxe anglaise, tu prends une tête, de toute façon. Donc maintenant, tu penches ta tête et tu décales avec Z. Sur des micro-pixel line, en fait, beaucoup, beaucoup de lignes vont être comme ça. Si tu as cette ligne à jouer, par exemple, qui va être là, tu vois, ils vont être là. Je l'ai pas. Si, je l'ai. Ok. Je vais être ici en train de la jouer. Moi, je vais être en mode bam, 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 bam. Je vais m'amuser comme ça. Maintenant, la plupart du temps, les mecs vont droner. Tac, 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 tac. Se mettre juste avant. Ok. Être sûr et certain de la pixel line et décaler pour la pixel line. Et c'est tout. Celle-là, elle est gagnée, en fait. Et il faut avoir une poignée verticale pour être en mesure, sur cette toute petite pixel line, si le mec se montre en face, d'envoyer tous les pruneaux sur un pixel, au final. Parce que moi, je peux pas, tu vois. Je peux pas faire, en fait, avec des poignées verticales. Mais donc, moi, je joue sur la rapidité de faire ça, en fait. Mais ça, c'est ça tu le fais pas en pro. Tu le fais pas en pro. En pro, tu vas être là, tu vas faire ça. Et tu vas venir chercher ton truc. Et une fois que tu l'as. Et donc il faut être capable, en plus c'est sur ma droite donc je suis nul à chaise là-dessus, mais d'envoyer beaucoup de pruneaux dans un tout petit espace. Donc poignée verticale. Et puis poignée horizontale. Parce que t'as pas envie de jouer sur de l'ADS en fait. La vitesse d'ADS, tu t'en fous quoi. T'es quasiment tout le temps comme fucking ça. Et donc t'as le mec en face et tu vas le décaler comme ça. Tu vas plus faire ce que je viens de faire là, parce que moi je peux pas le faire parce que je suis en hold, tu vois. Mais tu vas venir décaler comme ça en fait. Et ça va être des décales que tu vas se faire très souvent en fait. Tu vois. Lui il va balancer son truc, on va profiter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est la vraie raison pour laquelle les personnes font beaucoup moins de strafe comme maintenant quoi. On va être là et on va venir chercher les endroits qu'on connaît. Et d'être beaucoup plus... Par exemple une ligne comme ça qui est hyper importante, on la connaît, elle est là tu vois. Et d'être en toggle c'est mieux, moi je suis pas bon là-dessus. Hein. Et là il faut envoyer du pruneau, lui il aurait dû mourir en fait. Il me tue pas ainsi. I wanted to finish my kill, bro. For my... I wanted my scoreboard. Donc voilà, je pense... ça explique la raison. En fait, c'est assez logique, quoi. Si tout le monde... Si toutes les personnes qui utilisaient un ADS, si toutes les personnes qui utilisaient une poignée verticale, une poignée inclinée. Si toutes les personnes qui utilisaient une poignée inclinée pouvaient avoir le même recoil qu'avec la poignée verticale, bah forcément, ils le prendraient, en fait, tu vois. Mais c'est qu'à un moment, la rapidité d'exécution était plus importante. Parce que, en fait, la plupart du temps, les roameurs, en plus, se trouvaient dans des situations où il fallait ADS très, très rapidement, quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, quoi. Même sur du roaming, les mecs vont être vraiment « ok, parce que c'est de la couverture ». C'est toi tu me couvres là, toi tu me couvres là, derrière on va descendre en dessous sur l'étage à moins 1. Il y a des logiques de revenge, etc. Et cette logique, surtout en attaque, mais aussi en défense, où tu vas venir jouer sur des petites lignes. Tac, c'est bon, elle est prise celle-là. S'il redécale, il faut que j'envoie le maximum de pruneaux dans cette toute petite interstice, quoi. Et tu le vois vraiment. Et l'autre jour, ça m'a tellement choqué que j'ai même envoyé un message sur WhatsApp en live à Renshiro. Je fais putain, c'est ouf. C'est ouf à quel point c'était pas comme ça du tout avant, quoi. À quel point ça a évolué. Et en même temps, tant mieux. Voilà quoi. C'est un peu plus réaliste, non? Non, mais on s'en fout du réalisme.
Enfin, faut... S'il y a bien un mot qu'il faut arrêter d'utiliser avec Rainbow Six, c'est bien réaliste. Le jeu se veut pas réaliste, il est pas censé être réaliste. Et puis quand on parle d'e-sport, on n'a pas envie de parler de réalisme au final, je pense pas. Donc, non. Réaliste, c'est le cadet de nos soucis, en fait. Voilà quoi. Bonsoir, monsieur le proviseur. Salut le chat, coucou les modos. Salut tout le monde. Les stratégies sont plus abouties qu'à ton époque ou c'est simplement le style de jeu qui change? Pas forcément, ça évolue. Ça évolue. La première année, tu pouvais prendre quasiment n'importe qui. À partir du moment où ils respectaient les plans de jeu, c'était bon, quoi. Tu pouvais tout miser sur la stratégie, quoi. Enfin, avant, t'avais une espèce de balance, skill individuel, mécanique de jeu, communication et stratégie. Voilà, t'avais ces curseurs, quoi. En année 1, tu pouvais tout mettre sur la stratégie, quasiment. Alors, ça ne veut pas dire que les joueurs n'ont rien fait. Hein. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas fait les kills, etc. Machin. Il fallait quand même les faire, tu vois. Mais la majeure partie de la raison, nous, pour laquelle on avait gagné, ouais, c'était parce que c'était de la strat. C'était de la strat pure et dure. C'était que de l'analyse et de la compréhension de comment est-ce que lui, qui est la plupart du temps ici et qui ne bouge pas trop parce que c'est le meilleur endroit pour être, comment est-ce que lui, je peux le tuer, en fait? Comment est-ce que je peux jouer cet objectif? Et ai-je besoin de le jouer pour poser la bombe? Voilà, c'est tout. Est-ce que lui, j'ai besoin de lui? Ok, bah si j'ai besoin de faire ça, il faut que j'aille là. Et si j'ai besoin de faire ça, il faut que j'aille là. Et maintenant, non, parce que forcément, après, on a adapté... Oh non, non, non. Canal, vas-y, sorry. Ah, je vais faire un tour de... Et après, du coup, ça s'est adapté, tu vois. Mais en fait, si vous voulez comprendre la mécanique d'évolution d'une méta, je vous conseille le film Pelé au final. Comment ça, Tachanka? Comment ça, pas Tachanka? Elle est là, regarde. C'est la cour Tachanka ici. Le film Pelé, en fait. Et c'est exactement la même chose. C'est marrant parce qu'il y a de grandes similitudes avec ça. Hein. Où en fait, il expliquait, et j'en avais déjà parlé par le passé, mais. Où en fait, il expliquait que. À la base, la plupart du temps, le Brésil n'avait pas de construction dans son jeu, il n'avait pas de stratégie en fait. C'était le foutoir quoi. Et il jouait au Juega Bonito. Donc c'était du jeu avec beaucoup de. Qui était vachement inspiré de la capoeira avec les origines, que la capoeira peut avoir. Ok ? Et il y avait une certaine logique par rapport à ça. Et en fait, ils se sont retrouvés à un moment en disant, ils ont eu des mecs d'Europe et en particulier d'Allemagne qui sont arrivés au Brésil et qui leur ont dit, bon, vous arrêtez de faire les pitres en fait, vous allez faire ça. Et maintenant, je vais vous apprendre ce que c'est qu'un marquage de zone, ce que c'est que de jouer le hors-jeu, etc., etc. C'était de la stratégie pure et dure en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu peux le savoir. Au début, c'était compliqué. Puis à la fin, ils ont commencé à gagner. Ils ont commencé à défoncer tout le monde parce qu'ils avaient des habilités physiques qui étaient assez insane. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la fin? Il y en a d'autres qui se sont dit « Ouais, mais nous, on préfère un autre jeu comme ça. » Et puis après, c'est un mix, en fait. Il y a eu de la technique, peut-être plus que dans d'autres pays, mais qui s'est façonné avec la stratégie pure et dure, quoi. Parce qu'à un moment, il y a une stratégie, elle marche plus, quoi. Et tous les jeux sont comme ça. Tous les jeux sont comme ça. Tous les sports font comme ça. Il y a toujours un truc où il y a une personne qui va tout défoncer parce qu'ils vont inventer un truc et ils vont voir quelque chose, quoi. Et après, ils vont se dire « Ouais, mais non, en fait. » Et ils vont tester un autre truc, quoi. Et après, une fois que t'as fait les limites de tous ces trucs-là qui sont des extrêmes, quoi, bah, tu trouves un truc qui est beaucoup plus... Qui est beaucoup plus flexible, en fait, et qui a emprunté un petit peu à tout, en fait. Let's go. Ouais, pour Yungtis, les amis, préparez-vous pour le prochain Yungtis Royal, pour toutes les pépites qui sont sur le game. Voilà quoi, préparez-vous parce que ça va arriver et ça arrivera. Et derrière aussi, il y aura Battlefield qui arrivera dans pas si longtemps que ça, vous le savez, avec le fin novembre. Et on peut s'attendre à une bêta dans pas trop longtemps. Donc oui, ça a bien évolué. Et bien sûr, les niveaux de jeu et les niveaux individuels maintenant sont insane. Hein. Et c'est beaucoup plus dans le call, etc. Il y a un peu de stratégie. Il y a beaucoup de stratégie, mais il y a toujours beaucoup de niveaux individuels, de beaucoup de mécaniques individuelles et beaucoup de communication. C'est beaucoup plus... tu peux plus faire... ok, on va faire 100% stratégie. Ok, on va faire 100% niveau individuel. Parce que derrière, nous, ce qu'ils nous ont défoncé, c'est assez drôle. Hein.
Les personnes qui ont commencé à nous mettre une branlée en Europe, c'était les Penta. Et les Penta, c'était Fabian qui s'était dit, moi je vais faire tout l'inverse. Je vais prendre les meilleurs joueurs de l'Europe, Pengu, Jonas, Goga, bon sauf lui parce que Fabian était nul. Mais voilà. Et l'un des et le dernier, je sais plus qui. Et donc on s'est dit, ils se sont dit, on va tout niquer et on va juste se faire plaisir sur le jeu. Et bam, ça marchait au final. Donc tu vas dans les extrémités, mais ça marche pendant un certain temps. Bon, ils ont pas fait que ça, bien évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire? Et puis à la fin, bah tu t'aperçois qu'il faut un petit peu de tout au final, quoi. Il faut un peu de tout, quoi. Il faut de la strat, mais pas que. Il faut du shot call, mais pas que. Il faut un bon gros niveau individuel, mais pas que. Voilà, c'est tout. Ah merde, je suis con, moi, ils sont pas là. Il a fait ce trou là. Ah mais c'est Ace avec son côté qui a pété dans le border. Ok, bon désolé, je suis pas dedans. Château. Ah oui, château. Autant pour moi. Ouais, c'était le dernier. Quoique, non, c'était pas château au début. Ça devait pas être château direct. Ah bah non, c'était Falco et KS. Je suis con. Bien sûr. Attends, c'était tout de suite, hein. On s'en fout en fait. Mais oui, c'est ça. Hein. En vrai, c'est bien les personnes qui jouent en solo, plus besoin de faire confiance à 100% de nos alliés, on peut faire le taf seul alors qu'avant, non. Oui, c'est pas faux. En termes de. En termes de. En termes d'opérateurs qui peuvent jouer solo, tu veux dire? Ouais, je peux comprendre. Ah bah reprends Twitch du coup, nickel. Merci infiniment à Speak Gold, nouvel étudiant du campus, bienvenue. Merci aussi à OSG Ducky, merci pour les 17 mois de frais de scolarité. Merci, vous êtes des monstres les amis. Miz For Real pour les 2 mois de frais de scolarité, merci. Etz Nini, nouvel étudiant du campus, merci. Hippofar, nouvel étudiant du campus, merci. Vous êtes des monstres. Et c'est Nini. Voilà, c'est ça. Désolé, j'avais un peu oublié. Merci beaucoup, ça me touche énormément, vraiment. Tarkov, t'attires plus? Bon, si, mais bon, pas en ce moment, quoi. Quand tu auras un wipe, quand tu auras des trucs intéressants, pourquoi pas? Pourquoi pas? Toujours dur de se remettre sur Tarkov. Je pense à genre, il y aura un concurrent R6. Possible. Franchement, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je ne peux pas lire savoir dans une boule de cristal. Franchement, j'en ai pas la moindre idée. 10 seconds to go. Je suis con, hein. Franchement, je suis pas dedans, là. On va faire la même chose que tout à l'heure. On va faire une remontada, les amis. À part 3Z. Derrière, je vais vous sortir le grand jeu. Because j'aime pas perdre. The diffuser has been recovered. Pourquoi je spawn là? Moi je suis vraiment Toto, lui il est mort. Même t'es mort! Non.
Bah non. One yellow stairs. Fuck you, Sledge. Let me the fuck up, boy. Yeah, one rotate inside. One on B. Un juste au contact. Ouais. One up, four remaining. Cap dead. Last Rooney. Rotate. You guys get a pincher. One go one door, one go other. Yeah, push. Fuck on like the hatch thing, okay. Dude. Down to one friendly. Nice, dude. Yo, Axel. Mission successful. Oh shit. Yo, Axel, do you have your chat turned off? Yeah. You do? Oh, that's why you weren't answering me, bro. Yeah, sorry. Bro, I was trying to tell you that you're correct with Twitch, yo. What? I was trying to tell you you're fucking amazing with Twitch. Oh, thank you. You're welcome, bro. Amazing. Cette décale était pourrie. 6-4, que penses-tu des humoristes de 2021? Je sais pas. Ah ouais, moi, je regarde trop de trucs en anglais, les amis. Donc, si on parle des humoristes français, c'est mort. Je regarde 0% de contenu en français. Donc, voilà quoi. Donc, si on veut parler de Ricky Gervais, de Bill Burr, de Dave Chappelle. Ok, moi j'aime bien. Après, les autres, I don't know. I don't know. En France, je sais pas. Ouais, Blanche Gardin, à la limite, Gaspard Proust, quoi. Et encore lui, c'est fini, lui, il a arrêté, mais... On n'entend plus du tout parler, lui. Ah, c'est parce qu'on les a joués avant. Ah, c'est pour ça qu'il me dit ça. Ok. Le meilleur, c'est Dave. Ouais, j'aime bien Dave Chappelle. Bon, à part qu'il dit le N-word tout le temps. Mais bon, c'est cool, c'est cool. En fait, je dis ça parce que ça me saoule, parce qu'on peut pas faire ces blagues sur Twitch, quoi. Le mec, il utilise N comme un point, quoi. Ah, c'est une ponctuation, quoi. C'est le putain marseillais, t'as. Oh fuck. Look, buddy. Easy A's, bro. Easy A's. One's in the pool table room to your right. It's a Rooney. I think she's the only one in there.
So if you kill her, you might be able to take to that site. Nice call. Merci infiniment Caris pour les 4 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres les amis. Merci de payer vos droits de scolarité au sein du campus de la Soldier Academy. Et n'oubliez pas de faire point d'exclamation YT replay, guys. Alright. Il y a un lien qui va apparaître maintenant sur le chat. On a besoin de vous, vraiment. On a besoin que vous followiez à la chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. Vous feriez votre bonne action de la journée. C'est gratuit, ok. Ça mange pas de pain, right. Et en parlant de pas manger de pain, oh yeah, the Roni is getting the 1.5 taken away. Les monteurs ne mangent pas de pain non plus à cause du fait que ça rapporte pas assez sur la chaîne replay. Donc voilà quoi. Donc ça fait 2 semaines qu'ils ont pas mangé. Bon, d'un autre côté ils sont belges, donc bon, les pénuries de bouffe et... C'est, voilà. Ils connaissent quoi, ils connaissent hein, la guerre, le tiers-monde, la pauvreté. La pauvreté, hein, quand on vit en Belgique, bon, on sait hein, qu'on n'est pas gâté déjà. Donc ça va, mais délai quand même. Et délai. Ah, si on passe à 4000 sur la chaîne replay, ils pourront mettre du bouillon dans l'eau. Du bouillon de poulet, quoi. C'est une petite soupe, ils appelleront ça une soupe, hein, ça s'appelle une soupe là-bas. Voilà, quoi. Du bouillon, de l'eau. Ah, vous soyez sympa. Vas-y, j'ai envie de les push à l'extérieur. Pourquoi ça me fait ça? Tu sais que je viens pour ton drone, hein? Oui! Hop là! Il s'est dit. Ah bah merde alors! Il vient pour mon drone! Il vient me chercher le fils de pute! Hop là! On t'a entendu là, t'es en rappel là-bas toi. Par là-bas toi, tu dois être par là. Non, t'es là-bas? Pip! Ouais, je veux bien que tu joues avec moi, mon loulou, hein, mais bon. Je pense que t'as pas le level, quoi. No offense. Pip, 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 pip. Target acquired. Ah non, je suis pas dessus. Merde. Il est au BOSG à coq là-bas quoi, mais les gens sont cons. Ça marche encore de venir là? Non. You killed the Maverick? He's pushing on site. On site on my ping, she's in the corner, 90 pushing to green stairs. Yep, here exactly, Renegade. Nice. Damn! Bon ok, j'étais pas très content quand ils ont mis la coque sur le BOSG parce que fallait répondre à Bikini, mais quand même c'était quand même drôle quand même. Et l'arme est bonne quand même. L'arme est bonne. En fait c'est parce que je suis nul avec cette arme quoi, mais c'est quand même la classe quoi. C'est quand même la classe cette arme. Aruni ? Ah ouais, si vous avez une équipe les amis. Si vous avez une équipe, il y a 2 trucs. Il va y avoir tous les mois
un truc qui s'appelle les Campus Cup, donc qui vont sortir sur Discord pour les semaines sur Discord tous les mois. Donc il y aura des compétitions tous les mois sur le Discord de la Salty Academy. La première forcément est sur Rainbow Six, après les autres sont sur d'autres jeux. Donc ça c'est le premier point. Et l'autre point, voilà, parce que je veux que le Discord soit plus qu'un simple Discord. Un vrai campus, quoi. Un vrai campus. Plein de trucs. Et ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est mi-octobre. Si vous avez une équipe, mais là le niveau va être élevé parce qu'il y aura de la thune. Hein. Il y aura 3000 balles à se faire sur 3 mois. Donc soyez là, voilà. Yo, Rooney, make rotate for me, please. Yeah, where? 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Ready for hostile action. Razor wire, in position. Oh, cette arme, elle est trop bien aussi. Franchement, j'ai l'impression de... J'ai l'impression, avec, rien qu'avec cette arme, d'avoir pas de... What? J'ai pas l'impression d'avoir de... De sensi, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une grosse sensi, en fait. Ah, c'est un shield, ok. There's a shield on the locker window. A blitz on me! Scuba's there. One on four remaining. Last one, scuba stairs is fused. Alright, coming. I tried to do him dirty. Still there, still there. God damn! Didn't have to do him like that, man. J'avais pas compris, j'avais totalement oublié que tu peux pas faire de punch hole avec avec Aroni. le principe du punch hole est un peu niqué en fait. Il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler que le c'est un punch hole quoi. Ouais. Ouais. Elle est bien son arme quand même. Hein. Et l'autre, elle donne quoi déjà? Ah ouais, non, laisse tomber. Vas-y, on va essayer. On va essayer de voir ce que ça donne quand même. Ah non, laisse tomber ça. Non plus. Oui. Hop là! Rouge et marron. Même si notre team est mauvaise. Ouais, non, vraiment. Moi, j'ai envie qu'il y ait beaucoup de gens qui participent, quoi. Non, bah, franchement, je vais vous le dire. Autrement, c'est mort. On fera plus rien sur Rainbow Six. Hein, c'est fini. Hein. Derrière, il y aura Battlefield qui va sortir. Et puis derrière, on dégage, quoi. Et puis les gens n'auront plus que leurs yeux pour pleurer, pour se dire « Oh, il n'y a plus de contenu sur Rainbow Six. » Bah ouais, mec. On fait des tournois, il n'y a personne. Donc voilà, quoi. Et bon, après, on les fera sur Warzone, hein, les tournois. La France veut du Warzone. Bah, on leur donnera du Warzone, hein, que veux-tu que je te dise. C'est mon bad, homeboy. Hey, that was an accident, bro. Calm down, bro. Hey, for real. Come on, boy. Donc ouais, il va y avoir beaucoup de trucs comme for en octobre. Real, I swear it was an accident. Il est cool, lui. 10 seconds. Il est drôle, le mec. Ça fait plaisir d'avoir des gens sympas. Tu penses quoi de showdown? Un showdown? Bomb location secure. Boum! On met des one-tap avec ça, non? Nul avec ça. C'est impossible de faire un kill. A bomb has been located by Op 4. You have been spotted by hostiles. Location has been compromised. Ça a l'air de mettre des pruneaux quand même, y'a pas besoin de mettre des têtes au final.
Et en plus, dans une. Si tu te mets comme ça, quoi. Ah, ça doit être pas mal, en tout cas. Pas si mal au final. Mais j'essaie trop de mettre des one-tap. En mode on s'amuse quoi. Il arrive porte exit lui. Donc là. Vas-y passe maintenant. Vas-y, non, tu vois, ça me vénère, quoi. Avec une vraie arme. Ouais, faut que j'essaye. Faut que je réessaye. There's a... One is 50 HP. Yeah, I think they're bust up floor. I'm not sure. Le mode Far West recyclé. Bah, l'avantage c'est que moi j'avais jamais joué à ce mode en fait, tu vois. Donc c'est plutôt un... voilà quoi. Il est vraiment bien, hein. Tout le monde avait dit quand il était sorti qu'il était vraiment bien, j'avais dit ok. Et il est vraiment bien pour le coup. Mais effectivement c'est recyclé quoi. Bon, d'un autre côté c'est comme les gens le disaient hier, de toute façon, s'il est recyclé les gens vont se plaindre. S'ils sortent même pas les recyclés alors qu'en disant ouais mais bon attendez celui-là vous l'avez sorti 2 semaines, si vous le ressortiez ce serait bien, les gens vont se plaindre. C'est vrai, hein, ça c'est vrai. Hein, yeah, pushing from model. One on ping. That's the ash on ping. 5 seconds to go. Yeah. One op four remaining. Nice one. Op four eliminated. GG, guys. Mission successful. Donc ouais, c'est toujours un peu le problème, hein. C'est toujours un peu le problème d'avoir. Toujours un peu le problème de ça quoi. Mais bon, franchement, on verra. Je pense que, bon après, je pense que je disais déjà la même chose il y a 3 ans. Hein. Mais je pense que 2022 va vraiment être le tournant pour Rainbow Six. C'est la dernière possibilité pour eux de faire quelque chose et de revenir pour le mainstream et pour le grand public, je pense, 2022. Avec la World Cup qui aura lieu en fin d'année, qui va être assez grosse, je pense. 2022. Et en février, il faudrait une énorme annonce, quoi. Le top du top, vraiment le top du top, hein. Le top du top. Arriver sur... Parce que là, CEO Six Invitational, ils restent dans leur logique de nous présenter le nouvel opérateur et le nouvel agent et de nous sortir des trucs en disant « Waouh, c'est génial !» Alors que ces mêmes trucs qui étaient censés être géniaux, c'était des trucs qu'ils nous avaient annoncés sur leur PowerPoint d'il y a 2 ans, ça va pas le faire. Donc pour le Six Invitational de cette année, il faut du gros, il faut du lourd, en fait. Donc au mois de février, il faudra annoncer... Franchement, c'est ce que je dis depuis 1 an, quoi. Anti-cheat et free-to-play. Et ou free-to-play. Enfin, voilà, quoi. Ou ce genre de truc. Et c'est tout. Et là, à la limite, ça pourra lancer la hype sur le jeu. Ouais, ça pourrait lancer une hype. Une hype certaine. Et une certaine hype. Voilà. Et c'est... Ouais, c'est all-in. Ouais, c'est un peu all-in, là. Là, ils sont un peu à 10 big blind, tu vois. Il y a encore matière à acheter, tu vois, il y a encore matière à jouer, mais on est à 5 ans. Hein, les blinds sont un peu élevés. Et là, c'est all-in. 10 big blinds. Voilà, quoi. Comment avoir le charme pour l'exclamation de charme, poulet? Je pense que l'anti-cheat, ça peut vraiment relancer le jeu. Je pense que c'est en fait c'est l'accumulation des deux. Parce que quand je dis free-to-play, les gens viennent toujours me casser les couilles en disant cheater. Et ils ont parfaitement raison, au final. Tu vois, en disant, si c'est free-to-play, les cheaters, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y en avoir plein sur le jeu. Et ils ont parfaitement raison. Donc free-to-play plus anti-cheat, mais c'est surtout free-to-play, c'est la finalité en fait. Voilà quoi. Ce qui fait le succès à Warzone, même si c'est le jeu est facile en fait, c'est free-to-play. Et l'une des raisons de le succès, c'est free-to-play et voilà quoi, free-to-play en fait. Merci évidemment, Razer Z, GM, merci, thank you so much. Spasiba, Razer. How you doing, bro? How you doing, mate? Le coach des Empire, les amis. Merci évidemment, JC Groot, pour le fait d'avoir offert à Mr. Smooth ses droits de scolarité. Merci pour Post King aussi de lui avoir offert ses droits de scolarité. Le monstre. How you doing, bro? Hey, bro. Listen to me. Razer. Okay, listen to me. I need to... Are you still coaching Empire right now? Are you still coaching Empire?
Yes or no? I didn't check actually. Bonjour, bonjour. Non, c'est plutôt... Quelle heure il est? Dobry den. No, I'm streamer. Are you kidding? Are you streaming right now? Are you kidding? You need to contact Genesics. For the Salted Walls. At the end of October. Streamer, 1v1. Alright? That's gonna be amazing. You're already a streamer? You're not coaching anymore? Okay. Because otherwise I would have, like the next Youngtis team, I would have liked to you to coach it. Le plus gros problème de R6, c'est son système d'anti-cheat et le recyclage, presque aucune nouvelle arme, je trouve ça dommage. Ouais. Mais bon, pour ça, je coupe un peu le sujet, je sais, c'est juste que j'en ai ras le cul, tu vois. Du coup, dans ma propre, moi comme, je suis passionné, donc dans ma propre discussion, dans ma propre conversation, ça va me frustrer en fait, de parler de ça et de répéter les mêmes choses depuis 4 ans, j'en ai ras le cul en fait. J'attends, comme je le dis depuis 2 ans et je me suis... Un an et demi. Je sais que le meilleur des mindsets par rapport à Rainbow Six, c'est de ne rien attendre. C'est tout. Voilà, de prendre ce qu'il y a à prendre au moment où il y a à prendre et puis c'est tout quoi. Voilà, donc le côté passion, d'attendre, etc. Ça crée une frustration. Cette frustration, elle crée une colère et après, t'es vénère quoi. Sur la gestion, sur le jeu en lui-même, sur la gestion du jeu, sur la communication et la politique autour du jeu, ça t'énerve, etc. Donc maintenant, le jeu, ils font ce qu'ils veulent. Le jeu, il sort. Enfin, ils font des nouveaux trucs. Il y a des nouveaux modes. C'est cool. Il n'y a pas de nouveaux modes. C'est pas grave. C'est pas la fin des temps. Il y a d'autres choses. My story has come to an end, brother. Which one? Like the Empire? I didn't check that. I didn't see that. I didn't see that story, bro. I didn't know. Actually. Oui. Your story. You mean like the movie story? Alright. Ah si, ça a des défauts, mais aucun jeu propose un gameplay avec des strat calls importants, etc. Ce qui manque avec ses potes sont vraiment du lot. Ouais, non, mais je suis d'accord, hein. C'est clair. Hein. Mais voilà, quoi. Et voilà, hein. Et puis je suis toujours autant déçu par la pléthore de mecs et de personnes qui vont sur des jeux aussi pourris que Warzone, quoi. Ah bon, j'adore Warzone, c'est cool et tout, mais bon, faut arrêter, quoi. Vraiment, s'il y a bien un jeu qui Vraiment, du plus profond de mon cœur, c'est pas pourri, ok. Mais Warzone, c'est totalement surcoté, quoi. Ça ne mérite pas l'attention que ce jeu a, en fait. Voilà. Ça ne mérite pas ce truc-là. Ça ne le mérite pas. Ça ne mérite pas d'en avoir zéro. Ça ne mérite pas de ne pas en avoir. Ça mérite d'être connu, mais ça mérite pas d'être autant connu que certains jeux comme R6, comme CSGO, comme Valo, pour moi. Voilà. C'est tout. C'est tout. Répondeur à tous les gens et 6-4. Ça veut rien dire, Psokos. Qu'est-ce que tu viens de dire? At the moment, I am an Empire streamer. I didn't know that, Razer. No, but really, like, the Salted Walls. 1v1. Are you playing Rainbow Six? Like, please, DM me, alright? Come to Twitter and send me a message. I will remember. I will put you and I will introduce you to the event manager. It's gonna be at around the end of October, okay? 1v1, Salted Walls. We did it. It's gonna be the 5th edition. I count on you. Some other Russian players will be here. All right, let's go. On joue avec les mêmes, non? Toujours pareil, j'ai l'impression de jouer. Ah non, on joue contre les mêmes. Il y a 10 personnes dans tous les États-Unis. Hi guys. What's up, buddy? Nickel, nice. Спасибо. Спасибо, товарищ. Rien de DL Warzone, c'est juste insolent. Tu DL toute la série code. Non, mais le jeu est bien, ok? Le jeu est très bien, ok? Il mérite son succès, ok? Mais il est surcoté, c'est tout. Son succès est surcoté. C'est tout. Il y a zéro e-sport, il y a rien. Moi, ça me fait chier, quoi. Rien d'avoir autant de vues sur un jeu qui fait pas e-sport. Mais, et puis, c'est pas une question d'FPS ou pas, hein. Genre League of Legends, moi, je suis un fan, quoi. Je suis vraiment un fan, quoi. Je suis trop content qu'il y ait des trucs avec Kalaka Corp et tout, machin. Ça me fait trop plaisir, quoi. Et Warzone, God fucking damn it, quoi. Non.
Non. Yeah. 12 kills, j'offre 100 subs. Comment est-ce que je peux être sûr? Ampex, déjà, deviens étudiant toi-même. Et après, tu en offres 99. Ça te va? Pour sceller le deal. Pour sceller le deal. Pour sceller le deal, ça te coûtera 3,19€. Pour que je sois sûr du truc. Where are they, basement? Il est où le vigil? Sur le vigile, Bruno. Il est pas derrière moi, ce con. Me cut pas la première. White stairs. Op 4 eliminated. Merci Foxy pour les 4 mois de frais de scolarité. Merci Razer pour les 3 mois de frais de scolarité. Thank you so much, bro. Jamais vu autant de tricheurs sur un jeu que Call of Duty. Oh. Je sais pas. Je peux pas comparer. Comparer. Donc là, il m'en manque 6, c'est ça? 8? Plus que 8 et 100 subs. Pas mal, non? En PEX, il faut que tu deviennes sub toi-même, en revanche. Ça se fait pas autrement. Hein. Ça se fait pas autrement. Merci infiniment, e-technique, pour les 10 mois de frais de scolarité payés au sein des campus. T'es un monstre, poulet. Merci beaucoup, vraiment. Il y a beaucoup de cheaters parce que vous êtes 200 sur la map. Ah ouais, tu penses? Tu penses que c'est ça? Merci Technique, t'es un monstre les poulets, vous êtes des monstres. T'es toujours là en PEX ou t'es parti du coup? Je crois qu'il est parti. Non, on fait pas ça, j'avais besoin de cette fenêtre. Pour la flemme, faut que j'aille à la chasse au kill. Non, one top. Top skylight. Pff, on fait rien du tout, les mecs ils font n'importe quoi. J'aurais dû pusher comme lui dans le serveur. Non, manière en pacifique, hyper rapport, on le sait. Hein. Oh putain. Oh putain, en parlant de cheater.
Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah, toxic behavior. Ah ouais. Ok. Ok, ok, toxic behavior. Ok, ok. J'ai besoin de 5 euros, ma FR. STP, j'ai rien compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que tu veux nous dire, mon cher. Ok. Oh merde, il m'a envoyé un message. À 17h. 0 hour cop. Go. Ils ont fait des belles affiches là pour le prochain Unity's Royal. Ouais. Va falloir taguer les poteaux. J'ai besoin de 5 euros, mon frère, s'il te plaît, j'imagine. Ah ouais. Merci pour la traduction, les amis. J'ai du mal. Ouais, c'était pas ouf. Tum tum tum. Demain, alors, ok. Vas-y. Car je vais partir réaliser un défi sur SSC. C'est quoi ton genre de défi que tu vas devoir faire sur Star Citizen? Avoir 20 viewers consécutifs? Vas-y. Je suis obligé de le taguer un peu. Je suis obligé de lui mettre un petit tag comme ça. Ah, c'est Mary. Ouais, c'est Mary. Vas-y, il donnera pas les centres. De toute façon, ça sert à rien. Je vais pas signer des fesses pour lui. Hein. Très bon. Jaeger's in blue, 1 HP. Blue? Oh, sorry. Yeah, sir. I'm coming, wait! Don't kill him! I need it! I need this kill! Peep, 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 peep! Peep! Ah merde. Il me reste que 5 balles, les amis. I'm planting! Ben oui, il est. Dans ton cul. Tabarnak. Il est là. Il a sauté. Il a sauté comme un vieux caribou. Ça fait 7. Mais on va gagner, merde. Ils sont plus 4 en face. Vas-y, je peux pas gagner 7. 8, 9, 10, 11. Donc, ce qui veut dire que même si je fais les kills, il faut absolument que je perde le round. Donc, idéalement, il faut donc que je fasse 3 kills
et que je TK toute mon équipe, ce qui n'est pas possible. Il faut donc que je leur tire dans le genou et que je les fais chier et que je renforce rien et comme un gros fils de pute que je fasse 3 kills et qu'ils meurent tous. Comment on peut faire chier les gens? Ah, bah pas comme ça. Eh ouais. Pas comme ça les amis. Perds surtout pas, j'ai misé de la salty money. Oh putain. Et c'est pas une question de perdre, c'est une question qui m'a dit 100 subs. 100 subs pour 12 kills. Il faut qu'on respecte le truc. Voilà quoi. Jamais il paye les 100 subs. Hein. Ouais mais je suis obligé d'y aller. Parce que si je le fais pas, Alex. Ok. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Il va me dire ouais de toute façon si je te les aurais donné. Il va nous faire un truc de fils de pute. Dans le jargon on appelle ça une mairie. Ouais, mairie me doit toujours 100 euros. Non sérieusement il me doit 100 euros son culé. Il veut pas me les lâcher. Hein. C'est vraiment une merde. Vraiment il me doit 100 balles. En plus c'est la dèche. Ah non ma grand-mère qui est remorte. C'est chaud quoi. Ah ouais, intelligent, j'aime bien. Move your butt! Move your body! Du coin de l'œil. Ils vont perdre. C'est pas plus mal, mais j'aurais dû faire au moins un kill. Nice. Le mec est trop content que son équipe perde. Nice. Il aura pas les 100 subs. Non. Il is in the basement. Oh mon dieu. Des monstres les amis. Tu lui déduiras de son futur salaire. À qui? Mary, les ban battle eye quand? Comment ça, il est ban battle eye? Il a pas aimé ma blague en revanche. Vas-y, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, les mecs. Et les meufs. Ban à vie s'il donne pas les 100 subs. Ah, il veut pas me répondre. Les bons platines 1, ils sont là, hein, on les reconnaît. Hipfire est 0. T'inquiète. Wesh frère. J'ai pas l'impression que je... Let's go locker, guys. No? Basement? No? And we can finish this. And everybody's gonna be happy. Parce qu'ils vont refaire la même, là. Et moi, je peux pas sortir, en fait, là-bas. À moins que il a fait une erreur, l'autre. Il est allé trop vite, c'est donc qu'il était monté en rappel. On peut donc lui mettre un gros one-tap. Oui. On peut faire un kill, du coup. Il faut pas... Après, il faut qu'on perde l'autre round, le round, du coup. Peut-être. Je vais pas y arriver. On va pas y arriver. 100 subs, les gars. 100 subs sont en jeu. 100 subs. 100 subs ou un ban. Ah, Ampex, t'es toujours là? Il est toujours là, hein? Bienvenue au campus de la Salty Academy. T'es toujours là, du coup. Est-ce que le pari tient toujours? On est à 7. Tu m'as dit 12, hein? Il y a une tête qui va pop exactement pip 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 ici. Et là maintenant. Ouais. Désolé, j'ai dit one tap, j'ai tiré 5 balles. Ok, maintenant il faut que je fasse un truc du genre. Ça. Oh sorry bro, sorry. I'm so sorry. Well, you can heal yourself, it's okay.
Mais depuis quand il y a de la musique là dans le main là? Elle me saoule. Il est là l'autre là. Il me saoule là. What? Pourquoi ça va pas sur la première en revanche? Viens là! Vas-y, il m'attend comme un gros bâtard. Take the main please. Ah mais ils sont plus que deux. Pardon. Mais il faut pas qu'on gagne. Il faut pas qu'on gagne. Ah oh, je suis désolé mec. Non. Non non non. Stop. I'm sorry. Why do you keep shooting teammates? I'm so stupid. Like I'm like a too much aim lab, I think. Be advised, Op 4 has located a bomb. Trop de aim lab. C'est vrai. Do they have breach open? No. Can you guys lose? Le clutch. Le clutch. L'autre il est à terre. L'autre il est à terre. Il va die. Il va die. Il va die. Die. Yes. Yes. What are you? No. Yes. Come on, Buck. Yes. Nice try, guys. Sorry, my bad. Oh, d'enculé. Really my bad. Yes. A perte. Yeah, locker is better. 8, 9, 10, 11, 12. Faut que je tue les 4. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je peux le faire. Je peux le faire encore. Il faut que je fasse 12. Non, overtime. Overtime. L'autre s'est reconnecté. Non, c'est une prise. L'autre c'est une prise. Attends. Merde. Vigile. Est-ce que c'était le meilleur des trucs pour faire un max de kill? Je sais pas. Ah ouais, n'hésitez pas à aller liker, commenter, partager la vidéo qui est dans le chat s'il vous plaît. Wastag le pire joueur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire chier? Forcément ça. Ok. Ça, toujours balancer une petite impact qui fait des dégâts. Laissez les drones. Laissez les drones. Personne m'a vu là. I'm sorry. I'm sorry, bro. Yeah. 5 seconds to insertion. I'm gonna rotate it to it. Il faut que je leur montre la voie maintenant aux attaquants. Il faut que je leur dise. Il faut que je leur montre comment attaquer. Et il faut pas que je les fasse chier. Ah zut, je suis droné. I am drone from the. They're attacking main, I think. A lot main. Oh. Mince, c'est pas main. Zut. Viens, vas-y. Par là. Viens, viens. T'as gagné l'ascendant. Nice. Oh fuck. Blue stairs. Il faut qu'il fasse le. Nice. J'aurais dû rester en vie en revanche. Donc on va chercher l'overtime. Et on est bon. Non! 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 Yes! Hop là, la caméra. Nice! Oh fuck. They're good. Ils sont vraiment pas mauvais en plus. Hein.
T'as combien de frags? 8. Mais j'allais pas tuer l'autre parce qu'on est en 4. Je pensais dans ma tête, je me suis dit c'était mieux qu'ils mettent la pression, que je meure et qu'on aille chercher un overtime. Ce qui me laisse la possibilité du coup là de faire 2x2. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est pas mal? J'avais trop peur de regretter le fait de faire un kill. Tu vois? Bah, j'aurais pu faire le kill au top. Du mec qui s'est pas décalé, non? Du coup, qu'est-ce qu'il me faut pour faire du kill? Jackal est ban. Il me faut quoi pour faire du kill? Non! Ça? Mais je sais pas jouer ça, moi. Apparemment, ça fait des kills. Apparemment, ça fait des kills tout seul, ce truc. Fais des rotas là où on rend faux. Non, ce qui est pas mal, tu vois, c'est ça. Si tu veux volontairement perdre, on va faire un tuto là-dessus. Si tu veux volontairement perdre pour avoir des subs, eh bien, tu peux faire un trou de rota. Et à côté d'un mec, tu sais, et puis tu lui enlèves 15, 10 HP, tu vois, histoire de l'énerver un peu. Tu lui dis, oh, I'm so sorry, bro. I'm so sorry. I'm so sorry, fuck you. I'm sorry, mais tu le triggers un peu quand même, tu vois. I'm sorry, fuck you, man. It's okay. Fuck. Sorry. J'ai la Tourette. Oh, j'aurais dû prendre Twitch, j'aurais pété les drones, j'aurais fait, oh, I'm sorry. Ouais. Oh zut, mon drone. Bah non, du coup, merde, je suis con. Faut que je fasse des kills. J'en ai vraiment besoin de mon drone en revanche. Pour quoi qu'il y a avec elle. Ah, c'est ce bruit d'arme. Lui, il va prendre l'escape bleu, regardez. Non? Oh non! Crazy. 10. Faut que je le fasse le kill. Ouais, faut que je le fasse. Ok, 11, il faut un kill. I just need one kill, guys. And after that, I can pay pour la leucémie de ma mère. Donc soyez cool. Thank you. Défense au top? Ah non, je préfère Romé. We're better at the locker now. Let's go locker. Je peux Romé au moins. Ils vont pas faire les kills comme ça. Locker! Le top, c'est de la merde! C'est trop relou, on peut rien faire. Ils sont à l'extérieur. Ils ont déjà 60% de la map, quoi. Oh merde, ils ont pris locker! Putain, ils sont cons! Merci, gros chacal! Merci. Nouvel étudiant du campus, bienvenue. Un de plus. Bon, faut pas que je fasse de TK en revanche. Faut que j'ouvre la trappe là. On va la jouer en late. Au cas où ils pushent blue. Du coup, on sait qu'ils vont pusher. Un va pusher là. Un va pusher là. Deux, là. Et si lui a pushé là, vu la rapidité avec laquelle il a pushé, c'est qu'il est monté là. Est-ce qu'on peut faire le ken? Je sais pas si on peut aller chercher un kill comme ça là.
Increased surveillance on bombs. Op 4 has a diffuser. EDD primed. Stand clear. Device placed. Okay. Device activated. Ils tirent sur quoi là? Are they blue? Like dirt? No intel yet. Ok. Ah, les caméras elles tournent plus quoi. Oh, j'aurais dû aller jouer normal, genre tranquille, Skyline. Pourquoi j'ai voulu sortir là? Faut qu'ils perdent. Vas-y, je leur dis pas. Hein. Je leur dis pas, j'enlève la cam parce que l'autre est mort. Voilà, c'est bien. Vas-y, va sauter. On va enlever la cam. Douze kills, pas un de plus. Ah, il m'en faut 12. Après, c'est pas dur de pas faire le dernier. Hein. Oh, il y en a un qui est sur le site. On va regarder comme ça. Le fils de pute. Oh, la caméra. Oh, zut. Ah, tu fais genre ta FK. One in the vault. Elevator and vault, I think. Op 4, last stop standing. Surias, back online! Located the diffuser, destroy it. On meurt pas. Non! Non! The diffuser has been... Non! Nique ta mère! Nique ta mère, MVP! Bah, nique bien ta mère! Le mec est vénère. Oh, pourquoi j'ai fait cette sortie là? Je savais qu'il allait pusher là, je pensais qu'il allait passer bourse et tout, j'avais pas pensé qu'il allait passer Skylight. Puis même, j'avais pas à faire la sortie quoi, mais je me suis dit, ils sont 4. Ils sont déjà en train de rentrer. Ah, je sais pas. Pour moi, c'était un free kill, quoi. C'était un free kill. Y a rien de pire qu'en plus que d'arriver sur un... Que de faire une sortie. Et tu sais, le mec que tu venais de voir sur la caméra, tu fais... Hein? Quoi? Il est où? Il est passé. Non, je suis dégoûté. Let's fucking go. GG quand même, t'es un monstre, sache-le. Merci, Ampex. Merci beaucoup. D'être déjà toi devenu un étudiant en campus. T'es un monstre. T'as transpiré un peu les fesses, Ampex, ou pas? T'as ton... Parce que tu savais que tu prenais un ban derrière hein, si tu disais, oui mais non quoi. Ok tiens, en parlant de Paris, on fait un pari. Vous connaissez le pari, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quelle est la couleur de ce truc là? Ok. Quelle est la couleur de l'alpha pack blanc d'Henri IV? Actuellement en train de trembler, MDR. Ah bah ouais, en plus tu te serais juste abonné. Mais derrière, tu prenais un bas navire. Ah non, on fait pas des promesses et voilà quoi. Et si tu veux le remettre sur le prochain, voilà. C'est un sondage qui va partir, les amis. Ça va être au-dessus. Ok. Ma partie sera une... Ouais, mais bon, les sondeurs... Ben non, mais laissez tomber. Faites bouh aux surveillants, là. Dites-leur bouh dans le chat, sérieusement. Ils sont un peu cons, sérieux. Et non, mais sérieux, ma partie sera... Ils anticipent déjà le prochain truc. Parce que... Le drill, tu vois. Hein, le drill boîte de conserve, quoi. Ils reproduisent tout le temps la même chose. Putain, je te jure. Ouh, voilà, c'est exactement ça. Genesix, viens me dire pub dans le chat. Sur Discord. Sur Discord, juste PUB, j'y penserai.
Et ça a rien à voir avec la publicité en plus. Allez, je te suis bleu aussi. Quelle est la couleur? La couleur de quoi? Ah, regarde, regarde, quelle est la couleur de quoi? Vous êtes pas d'accord? Vous savez pas de quoi il vous parle en fait dans votre dans la prédiction en haut de la chaîne. Hein. Vous avez aucune idée, hein? Quelle est la couleur de quoi? Quelle est la couleur de cet ordinateur? Eh ouais, c'est gris. Bah vous avez tous perdu. Et le vert, ils ont mis quoi? PV-moi et fais-moi penser, c'est tout. Tu auras gagné un sub déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, mais contre 100 subs, c'est quand même pas la même. Ok? Et qui va payer pour la leucémie de ma mère maintenant? Hein? Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est bon? C'est fini? 3, 2, 1, ça c'est bleu. Oh là là, je suis trop un monstre. Bam! Et ça c'est moche. Surtout, c'est très moche. Ah putain, la vache. Rushan, Rushan Decathlon. Vas-y, Razer, j'espère qu'il est plus là, parce que si on dit qu'un truc russe est moche, il va nous envoyer Poutine, le mec. Bah ouais, et l'autre, il fait quoi, du coup? Mary Poppins, là, parce que il l'a mal pris, hein. Ah non, il m'a envoyé une photo. Attendez, je vais regarder la photo. Yo, Robert Space Ind. In order to engrave our name in the history of Star Citizen... We organize the following challenge. Infiltrate the KRF and introduce weapon there. Then take the control of the Clasher Rehabilitation Facility. Captain Mary, Cruz are ready. No use bug. Et quelqu'un va lui dire que... Il peut pas streamer ce qu'il veut. Hein? Non mais s'il veut que ça aille vers le haut. Il peut pas en fait. Tu vois? Tout le monde s'en bat les couilles de Star Citizen, non? Sérieusement. Non? Oui, non, Suscat. Je vais l'appeler un peu. J'ai actuellement 0 points. Vous avez tout perdu? Ça fait quoi de gagner des prédictions? T'as des points? Allô? Oui? Oui, bonjour. Captain Mary? Oui, c'est lui-même. Je m'apprêtais à décoller. Je t'appelais. Ouais. Voilà. Bah, super. Allez, à la prochaine. Mais décoller où? Décoller comment ça? Décoller où? Où ça, décoller? Pas sur Twitch? Bien sûr que non. Attends. C'est pas mal. Hein, ok. Ouais. Ça fonctionne plutôt bien pour moi. J'arrive à 100 viewers et quelques, alors que des fois, je fais moins que ça. Non, je suis plutôt content. Plutôt content. 100 viewers, franchement, il fallait bien. Je ne pouvais pas rester au top tout le temps. Oui. To the top. Et GTARP, c'est pour quand? Hein? Et GTARP, c'est pour quand? Ça, c'est en développement, mon ami. Quelque chose en son temps. Hein. Mais j'ai hâte. J'ai hâte aussi. Hein. Il y aura Star Citizen RP, GTA RP, Red Dead Redemption RP. Red Dead Redemption RP. Ouais. Non, ça, non, il n'y aura pas Red Dead. Mais la Star Citizen, je suis tombé amoureux, mec. Je suis comme un enfant en train de revivre mes joies du jeu vidéo. Vraiment, c'est exceptionnel. Oui. Je pense que même toi. Quelque part, tu... Non, t'aimerais pas, je pense. C'est trop lent pour toi. Quoique, t'aimes bien l'immersion, toi. T'aimes être immergé. Comme ta mère. J'aime être immergé. J'aime être immergé à donf. Ah, oui. J'aime flotter dans l'immersion, mon gars. Comme ta mère. Et donc... Ouais. D'accord, ok. Mais donc, du coup, c'est un bon jeu. Ouais. Ok. Mais ton travail, à l'heure actuelle, c'est quoi? T'es bêta-testeur pour Star Citizen? Non, mon travail, c'est de présenter, de jouer et de partager des émotions, de vivre des choses avec mes viewers. Et pas d'être avec un connard qui râle tout le temps. Non, mais là, tu le partages avec tes bots. Oh, la méchante. Viens sur Zero Hour, putain, au moins on partage des trucs, c'est trop drôle. Ah ouais, j'ai trop.
Fils de pute, franchement, non, quand, demain, quand je t'ai sauvé avec mon shield et tout, demain. C'était magnifique. Ouais, c'était super. Mais deux, par contre, je te garantis que demain, il y a pas de. Je t'ai dit il y a quelques jours que ça serait vendredi et je tiens ma promesse, ça sera vendredi sûr à 100%. Et Deathloop aussi, apparemment, ça se joue à deux. Il se joue pas à deux, Deathloop. Je sais pas, on m'a dit qu'il y avait deux personnages antagonistes. Oui, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Oui. N'écoute pas les gens. Ok. Les gens sont cons. Ok. Ok. Je veux. Dis-le à Bob. Je veux que tu y crois. Non mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Franchement, il y a pas de. Oui, les gens sont cons. Ouais, ça c'est sûr. Je veux t'entendre dire. Les viewers sont. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, ça c'est incontestable. Ouais, tes viewers sont cons. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Ils sont cons et ils ont pas de goût. Mais oui. D'accord. Méchant. Tu vois, je trouve qu'en vieillissant, à l'approche des 42 ans, je me trouve aigri et méchant. Alors que moi, je sens que je m'assagis. Je deviens paix et amour. Mais bon, je peux comprendre ta frustration. Pas facile de faire du R6 à 400 viewers alors qu'on était quand même à 1500 à l'époque. Mais bon. Voilà. T'avais qu'à pas partir, fils de pute. T'as fait des choix. Ça fait enfin, c'est Ubisoft, ça fait des choix. Ouais. Mais... le mec, il va remuer le couteau. Il y a aucun couteau à se mêler, hein. Il y a aucun couteau à remuer dans la plaie, hein. Ah, non, 100% des cheaters de cette communauté, je m'en occuperai toujours, t'inquiète. Streamer ou joueur professionnel, je mettrai toujours mon nez là où il faut pas. Ok. Ouais, mais... Allez, bisous, poulet. Demain. Le tien. J'ai essayé, mais ça passe pas. Le tien, on le voit demain en stream, ok? Ok, ça marche. Allez, bisous. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Est-ce qu'il est con? Alright. Oh putain, non, je voulais prendre la Twitch. Oh, there is one in White Stairs, guys. C'est Mary sur Dying Light. Ouais, en mois de décembre, mais il a été repoussé le jeu, les amis. Hein. Il a été repoussé, hein. You have located a bomb. My man, I can't even hear you, dog. Qu'il y avait un mec derrière. Ça fait mal de voir ce qu'il est devenu. Mais ça va pas à la tête, arrêtez de dire ça, ça se fait pas. Même, enfin, moi on en plaisante parce que Mary et moi on se connaît bien, mais c'est très bien ce qu'il fait. Il a déjà parlé sur Twitter de petits trucs par lesquels il passait et c'est très cool qu'il arrive à chaque. Et là il est pas dans un mood où il a envie de se prendre la tête, il a envie de juste kiffer quoi. Toujours pareil, hein. Moi je rigole beaucoup. Mais non, c'est très bien ce qu'il fait, Marie. T'as annoncé un score maintenant pour 10 subs? Tu as annoncé un score maintenant pour 10 subs? J'ai rien compris, Ampex. Annonce un score pour 10 subs? Un kill? Ouais, c'est bon, ça marche ou pas? Dis les scores de ta game, tu as 10 subs, si tu veux, c'est toi qui vois. Fais gaffe, Ampex, hein, je te jure, hein, faire des paris comme ça, derrière, si c'est pas rempli, derrière, ça... Tu vois ce que je veux dire? Derrière, c'est un ban. Oh, j'aurais bien pris Twitch, quoi. J'ai juste envie de jouer Twitch en ce moment, quoi. Je vois qu'il y en a un. Locate
located a bomb. Tu fais 2 kills, j'offre 100 subs. Allez, ça part. Attends, le message, le kappa n'est pas sur le même message, Cardiac. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Spawn kill. Ah non, castle. Castle on the bakery door. There is a camera behind you, Jekyll. No, no, don't do that. Vas-y, mais tue-le lui. Il est con ou quoi? Il était juste devant toi. Tu peux le tuer quand même. Bon, je sais pas quoi jouer là en late game là. En late stream. Elle était bien la game de tout à l'heure. Elle était drôle. Mais là, ça fait chiant. Le score de la game? J'en ai aucune idée, poulet. Je serais bien parti sur 0 hour. Je serais bien parti kiffer un petit peu sur 0 hour, le petit poulet. Avec Mr. Mary. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas encore la grande forme, je le sais. C'est pour ça qu'il va aller tranquillement sur Star Citizen. Demain ça ira mieux. Demain 0 à War, pourquoi pas. Je joue Gridlock, je joue Capitao. Pourquoi vous voulez que je joue Gridlock et Capitao? Ça va pas la tête. Ça va pas la tête ou quoi? Non, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Comme autre jeu. Je me tâte. Et je me tâte. Oh nice, elle est open. Vampire, tu veux dire quoi, Blood Hunt? Roblox. Un jour je vais l'essayer sur Roblox. Hein. Non mais il faut que ça marche sur Twitch les amis. Je vais pas faire un truc qui marche pas sur Twitch. Je connais ma réponse, mais je proposerais bien Valo. Juste après R6, Valo, c'est chaud quand même. Hein. Vraiment chaud. Il y a une nouvelle match sur CSGO, là, j'ai regardé, là. 12 minutes. Il n'y a rien sur Twitch en ce moment, là-dessus. Blood Hunt, j'y joue même pas. J'aime beaucoup te regarder y jouer. Oui, il était cool, Blood Hunt. Ouais, franchement, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool, mais les problèmes graphiques m'ont un peu saoulé, quoi. Les petits soucis de graphisme m'ont un peu... Les performances m'ont un peu saoulé, quoi. Mais voilà. Ils ont changé la map d'Host 2. Encore ? T'es sérieux ou quoi ? Yo Sig, salut le chat. Game joueur, ben non, on est en train de parler de partir du jeu, en fait. Allez sur un autre jeu, Rainbow Six, pour terminer le stream. Ouais, 2h, 3h de R6, c'est bon, quoi. J'aime bien vous montrer des trucs sympas, j'aime bien qu'on passe un bon moment, mais s'il faut que ça reste un bon moment, il m'en faut pas trop. Hein. Piano. You have located a bomb. Cover the diffuser. Joue à Minecraft? Non. Call of Duty Vanguard? Non. Non.
T'aurais pas dû sortir et assurer un vieux kill tout à l'heure, car un kill à 300 balles, c'est rare. Ah. T'aurais pas dû parier 300 balles, parce que si t'étais vraiment sympa, tu les aurais donné sans rien demander. Et ça, c'est la définition de l'altruisme, cher Padawan. Jeune Padawan. Ça marche dans les deux sens. Bonsoir, j'arrive et je vois ce pré-shot. Salut Chris Cass, comment ça va poulet? Le pré-shot, c'est que j'ai pris plutôt. Trop nul ce code. Il est pas ouf, sérieux? Entraînement BOSG. Non. Hyper Escape. Et non, les amis, allez sur Twitch, regardez parcourir, dites-moi ce qui est au top. Hein. Viens toi, vivement BF. Si vous voulez que le campus de la Salty Academy tous ensemble, on aille to the fucking top, les amis. Vous voulez qu'on y aille? Il faut des jeux porteurs. Ah ouais. Ah ouais. Avec toute la motivation du monde, on franchit pas l'Atlantique avec un bodyboard. Go New World d'abord. Alors, y a rien New World, si? Bah Warzone alors. Loading new mag. Oh, middle train. Et Kenna, tu peux y jouer tout seul ou pas? BF, ouais, BF, ce sera à partir de... Oh, he's on mining. Dans pas longtemps là. He's pushing the doorway. On va en entendre parler début octobre. Début octobre, mi-octobre, nice, grand nice. Maximum. C'est obligé. New World, c'est one shoot. Formule 1, non, j'aime pas la Formule 1. Ça part sur du GeoGuessr. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hey man, can I have Mozzie please? Yes, man. I would love that. Thank you so much. You are Mozzie. Fall Guys MDR. Y'a rien. I take back everything bad I said about you. Tachanka, please. Oh non, oh non, il est lent. Oh, autant que je m'amuse un peu. Test Apex. You're very quiet, by the way. Are you like in the other room? And then your mic's in like the gaming room? Bon, toi, tu m'as sous le range. No. Des mineurs confirmés, il y a R. Ouais, grave, putain, t'imagines. Oui, bah, il va y avoir, comme on l'avait déjà dit, il y a Back 4 Blood. What? Pourquoi j'ai pris ça avec Aroni? Mais non, mais please. Please. Back 4 Blood quoi, Back 4 Blood c'est tout. Back 4 Blood. Le drone fait ça. Pip 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 pip. Allez viens là. Vas-y, t'es où là? On te plaît là. Merde, où est mon game sense? Nope. Elle a demandé, j'ai répondu gentiment. There's one in the engine or train. Skylight. Amar, Spudge below. Yeah, no. Ah, je l'ai même pas touché à travers. C'est vraiment de la merde cette arme, je peux rien faire avec moi. Deuxième fois, deuxième kill raté aujourd'hui à cause du machin parce que je pue du cul avec ça. Ouais, donc je sais pas quoi jouer, les amis.
j'en peux plus, j'attends BF, on attend tous BF. Et Back 4 Blood. En plus, le pire, c'est que Back 4 Blood avait quand même l'air d'avoir, de donner l'impression d'être complètement terminé comme jeu, quoi, tu vois. Ça donnait pas l'impression qu'il était, qu'il avait besoin de beaucoup, beaucoup de comment dire, de temps de développement encore, quoi. La Pro League sur World of Tanks. Je teste Stalker 2, 6. Ouais, j'ai vu le trailer, ça a l'air assez ouf. Hein. Moi j'étais un grand fan du 1, donc c'était un très bon jeu. Et ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. C'est pas sûr, mais de toute façon, il y a tellement rien à se mettre sous les dents qu'il va jamais passer par le trou qu'il vient de faire. Ah si, il est con. Sinon, c'est CSGO, la M80 est broken. Ouais, mais tu vois, c'est la mage. C'est... Je l'ai regardé ce matin, tu sais. J'ai juste regardé ce matin. Et t'as... Mais regarde, regarde, tu vois, ce matin, je suis passé, par exemple. Et une fois de plus, c'est pareil. Hein. Les deux plus gros streams, c'était Devil. Donc, c'est pas n'importe qui, quand même, sur la communauté CSGO. 200 viewers. Weeper, 119 viewers. J'ai fait, vas-y, mais nique ta mère, hein, franchement. Non, c'est vrai, hein, franchement. Je suis déçu de l'intérêt francophone. Et ça me déçoit, ça me désole, ça me dépite. Je sais pas où on a merdé. Je sais pas où on a merdé dans le truc, quoi, dans le process. On parle en France. On parle pas des streamers anglophones, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes audiences. Les Français regardent des streams français à 98%. Et un Simple qui fait 10k alors que c'est genre le faker de CSGO, quoi. C'est Simple, de toute façon, il n'y a même pas besoin de... Voilà, quoi. Il fait la même chose que certains sur GeoGuessr, je comprends pas. Je suis du père. Oh, c'était pas loin, ça. C'était pas loin. Ça, t'as failli prendre une tête, je te dis du coup. J'ai envie de faire le con, là. C'est pas bon, ça. What? Depuis quand elle a été baissée, cette arme? Ah, ils sont pas très très bons, ils poussent même pas à deux. Le style est toujours au spawn. God damn it. La personnalité du consommateur de jeux vidéo en France pour que ça marche, c'est que tu mets la Wii U et t'auras beaucoup plus de gens qui te regarderont. Tu m'étonnes, putain. Franchement, ouais. Ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, un mec qui fait 3 fois champion du monde sur CSGO, s'il était français, il ferait moins de vues que le troisième top streamer sur Mario Kart, s'il y avait une nouvelle match de Mario Kart, quoi. Et c'est ouf, parce que moi, j'ai vraiment connu, tu vois, Twitch comme étant une logique, en fait, où justement, tu viens voir un streamer pour l'entertainment, mais aussi pour dans une logique de devenir meilleur sur un jeu, quoi. Je sais pas. On est trop parti, je sais pas. Ça devient comme un TPMP, quoi. C'est... Non, moi je regarde Twitch pour me poser le cerveau. Je peux comprendre. Je sais pas. Une Mario Kart Academy. Ouais, ça pourrait être pas mal.
Op 4 located a bomb. Protect it. Down to 10 seconds. Ah non, c'est plus que de l'entertainment. Ouais, grave. Ah mais ça évolue petit à petit, pas mal d'influence en français dans des choses dans l'e-sport et attire du monde dessus par exemple. What? Qui? Quoi? Ou comment? Non. Je pense que le mot e-sport n'a plus la même force qu'il avait par le passé. Vas-y, je vais faire 2-3 kills. His library. Inside the library, full HP, Ibana. Still inside the library, 40 sec. Yeah, she's a laundry now. White stairs laundry around there. She's not pushing a 90, she's gonna push 90. He's pushing 90, he's pushing 90, yeah, broke the camera. He's pushing 90, Melusi. Library. Nice, she's very low. Might be 20 HP. Down to 15 seconds. She's coming back to you, mute. 10 seconds left. One bullet. One bullet, left. Relax, take it easy. Right side. Nice. Oh my god. Monkey playstyle activated. Ça c'est dur à dire. Monkey playstyle activated. Yeah. Non, j'ai juste dit je vais faire 2 kills parce que depuis tout à l'heure on est en train de discuter. Les nouveaux skins des équipes Pro League sont pas ouf en vrai. Ouais, bon, moi ça me touche pas ça. C'est con parce que ça fait moins de thunes pour la Pro League en revanche. Ça me fait chier quoi. Enfin, vaut mieux qu'il soit le mieux possible de toute façon. Que ce soit de la thune pour Ubisoft ou de la thune pour la Pro League, ça peut pas être mauvais. Oh là là, mais ça c'est ridicule quoi, franchement. En parlant de skin, sérieusement. Oh putain, on dirait une tortue ninja le mec. Je vais faire à manger, passer une bonne soirée et sympa la game avec ce petit défi. On refera ça, bisous le chat, à plus tard en PEX. J'ai jamais posé la question de stream en anglais pour augmenter ta visibilité. Tu t'es jamais dit que le fait de reposer deux fois ta question n'augmentait pas sa visibilité? Mais que je voulais pas répondre la première fois. Je vois tout dans le chat. We need to locate a bomb. Do you want me to switch in English? Because that would be no problem at all. Well, so let's try it, alright? I'm gonna do like 15 minutes in English. Like full English. We're gonna follow, we're gonna see who's following, alright? And then I can guarantee you that the numbers are going to decline. They are not going to, you know. They are not going to go up. They are going to decline. I started streaming in English when I was Penta. My stream was 100% English.
but because French people are so bad in English. And they are so fucking assholes, they were wondering, why don't you stream in French? So, for a very month, you know, I was like 100% English. I knew it was English all the fucking way. For 1 month, I streamed in English. For 1 month, people harassed me. I've been harassed. Like, I just arrived on Twitch. I'm a Penta player. Like, I have 100 viewers and 90% of them are harassing me. Why? Because they are fucking French and they say, can you please speak in French? Stop speaking in English. You should be speaking like me. After being harassed, I said, all right, I'm gonna switch back to French. And that's it. First story. T'as compris l'histoire? Parce que je me suis fait harceler. Mon stream était en anglais au tout début, j'ai commencé en anglais. J'ai commencé en anglais sur PUBG le stream. Mais on m'a dit Rainbow Six, français, ferme ta gueule. Bon toutou. Bon, ok. Tu veux, mec? Tu veux? Espagnol. He empezado el stream a hablar inglés. ¿Vale? ¿Me entiendes? Hijo de puta. Y después de un mes... The diffuser is no longer in your possession. Toda la gente me han dicho que no quería oír una otra idioma que mi idioma materna, que es el francesa. Lo sabes. One friendly operator remaining. Pero a mí me gustaría streamar en inglés. A mí me da igual. A mí me gusta el inglés. Mi novia fue inglés. Estoy siempre mirando a series y movies en inglés. Me gusta el inglés mucho. Pero estos cabrones, estos puta madres de franceses, me dicen, oh, no hablamos inglés, por favor. ¿Puedes hablar nuestro idioma? Y ya está. Y fue la historia de CIS 4 cuando he empezado el stream. Y eso es la verdad. Te lo juro. 100% la verdad. En allemand. Ich spreche! Ich bin Schwarz! Glasfreis! Streamer! En inglés! Comment ça les clichés? Non mais c'est vrai qu'ils gueulent les Allemands. Et c'est une langue moche de toute façon. Indépendamment de l'histoire, de toute façon, c'était une langue moche. On le savait. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Japonais? Non. Si tu sais pas la langue... Non mais je peux parler français, je peux parler anglais, je peux parler espagnol. Si tu sais pas la langue... Ça se fait pas. Écœuré dans quelle fenêtre? Ibana? Ici. Piiiiiiiip! Non, c'est un plot! Merde. Ouais, c'est bon. Mon cheat. Ah! Top garage. Hey, fais pas chier, tu fais trop de bruit là.
말보다는 행동이지. 왜지 on se fait chier là. Ils font quoi? Parce que ah mais il y a 4 en revanche. Come on man, it's September, it's not Christmas. Tu vois, je peux faire de l'humour en anglais en plus, ça c'est assez ouf hein. Tu voulais prendre une info toi peut-être? C'est pour moi, c'était pour moi que t'étais là. Ah mais du coup s'il est mort là, ça veut dire que son pote va pousser sur le même truc. Hop. Ah bah non. Il est pas là. Bim. Bim. Tout le monde dégage. C'est mon Pokémon. Ça c'est, tu vois, ça c'est une vraie version des Pokémon. Critique pas l'amant. Je me suis fait taper 10 ans d'apprentissage d'allemand de la 6ème à bac plus 3. J'ai toujours un niveau de merde, MDR. Mais non, mais bien sûr. Bien sûr, non, mais on le sait. On a déjà parlé, on a déjà parlé des langues. Donc ouais, tout ça pour répondre à ta question, Thomas. J'espère que ça a répondu à ta question. Voilà quoi. C'est mon plus grand regret, ok? C'est mon plus grand regret du Twitch game. De pas streamer en anglais. C'est mon plus grand regret. Et non, je reviendrai pas en arrière. Merci Zepsi pour les 7 points de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre. Tu sais quoi? On a même fait une journée au tout début, tous les mercredis. C'était un concept. Qui s'appelait comment? Pendant un mois, sur le campus de la Salty Academy, pour que les gens se bougent le cul au niveau des langues, tous les mercredis après-midi, on faisait des cours en anglais. Enfin, je faisais des cours en anglais. Je streamais en anglais. Mais les gens comprenaient rien. Les gens comprenaient rien. Oh ouais. I love my umbrella. Ouais, bah voilà, c'est tout ce qu'il sait dire, quoi. Donc, que veux-tu? Retour du concept, mais c'est impossible. Les amis, right? Avec tout le respect que j'ai pour vous, vraiment, faites-moi confiance. Ah, c'est où lui? Il est mort là, lui. On y va! Oh putain, merde, je passe devant la ligne comme un con, ça j'aurais pu me faire finir. Cette ligne, là. Still fireplace. Là. On the hatch. Là. Là, là. Là, là. On va faire un gros bait. Il est con comme une loutre. Et moi aussi. C'est n'importe quoi. Ah, il était là. Ouais. Merci Zepsi en tout cas pour les 7 mois de scolarité. T'es un monstre. Merci beaucoup. Oh, putain, merde. Il faut que je cut à quelle heure? Oui, on fait comme ça. Vous avez réservé? C'est pour mon père. Ça veut dire c'est toi qui paye, bâtard. Ouais, j'aime bien mon père. Surtout quand il paye. Il vient sur le campus. Oh nice. Pff, le mec était parti depuis une heure. Il était sur une autre map quoi. Le mec était sur une autre putain de map. Le mec il était sur Oregon, il était plus là, mais l'autre fait quand même le kill quoi. Oh mon dieu ça. God damn it, that game sur internet. Tu joues A et E en relâché? Ouais ouais. A et E en relâché. En maintenir. Hold. You can do it, Kermit. It's a 1v1 situation for Kermit. And it's gonna do it. You can actually do it. It's a 1v1 situation. The pre-fire is going in. And oh my fucking god, is that Shaco playing? No, it's a 1v3 situation actually. He has still time to do it. 1 minute remaining. And there is someone who's like rotating from behind. Can he make the kill? Onto the Vigil. He knew he has the game sense. He knew that the Vigil is coming back from main. No, actually, the Vigil is like a
totally stupid. Now you can make the kill. He can make the kill. But there is a Aruni. Aruni, but he's going through the Aruni, but he dies like a motherfucker. Sorry. What? Yeah, I know, right? I should take la place de Miloš Demenić, right? The medic? Yes. Yeah, I'm better than him, right? I know. Là, même ça, je peux le faire en anglais. Mais ils veulent pas. Oh, god damn it. C'est quoi le mieux, relâcher ou maintenir? C'est quoi le mieux, relâcher ou maintenir? On en tient, les amis. On en tient. Oh, il est là. C'est Jérémy. Jérémy. Relâcher ou maintenir? Non, mais ça, c'est la même chose. Relâcher et maintenir, c'est maintenir, en fait. Ok, non. Bon, laisse-moi t'expliquer. Est-ce que tu vois maintenir? Est-ce que tu vois relâcher? Est-ce que tu vois relâcher et maintenir? Eh ben, en fait, dans Rainbow Six, maintenir et relâcher sont sous la même appellation, maintenir et relâcher. Parce que même quand tu relâches, tu peux faire maintenir en fait. Et même quand tu maintiens, tu relâches. T'as compris ou pas? C'est important, c'est le campus de la Salty Academy, on essaie d'apprendre des choses aux gens. Donc fais-nous un feedback quand même. Pour moi, c'est clair. Non, je rigole. Non, c'est soit activer, soit relâcher. Non, c'est soit activer, soit maintenir. Ça, c'est les deux appellations en français. Déjà que j'ai dû les apprendre en français. C'est hold et toggle. Et là, ce que tu viens de dire, maintenir et relâcher, c'est la même action au final. Dans Rainbow Six, ça s'appelle maintenir. Relâcher, ça n'existe pas dans le menu, normalement. Voilà quoi. Mais tu as raison, c'est relâcher. Donc, est-ce que les joueurs jouent plutôt en relâcher? Non, putain, nique ta mère. Jérémy, nique ta mère, tu m'as embrouillé. Ok, est-ce que les joueurs jouent plutôt en maintenir ou en activer? Là, pour le coup, c'est deux choses différentes. La majorité des joueurs pros jouent plutôt en activer. Voilà. Moi, je joue en maintenir. Voilà, c'est tout. Ça répond à ta question ou pas? Bah alors, tu t'embrouilles? Ouais, mais pas autant que toi dans la langue française. Donc tout va bien. On peut y aller, on peut avancer. T'inquiète. Ok, c'est parti. Ouais, c'est un M à embrouille, il me semble. T'inquiète. Alright. Au pire, t'as essayé World War Z en attendant B4B? Ouais, il est nul. Il est nul. Non, mais sérieusement, généralement, je suis vraiment trop con. J'ai des goûts hyper... hein, tu vois. Mais B4B, non, il va être bien. Va être bien. Il sort quand? Mi-octobre. Non, mais mois d'octobre, on va avoir un mois d'octobre d'enculé, ok? Il va y avoir le Youngtis... Si on arrive à tout placer, il va y avoir le Youngtis Royal. Il va y avoir un truc dont je peux vous parler, mais bon, dont beaucoup de gens attendent beaucoup de choses. Il va y avoir un truc sur Rainbow Six énorme. Et ça, je peux vous le montrer en avant-première. C'est une feature qu'ils ont sortie. Ça s'appelle le Connection Failure. C'est un truc... Oh non, c'est top of the top. Il n'y a que eux qui font ça. Il n'y a que eux qui font ça. Et alors là, au-dessus, il n'y a rien, tu vois. Tous les autres, ça marche nickel, etc. Et Rainbow Six, tu vois, dans cette espèce de volonté un peu vintage de refaire des choses, ils te font des trucs comme ça. Et ça, c'est bien. Moi, j'aime bien parce que ça parle aux boomers comme moi, tu vois. Ça me parle, tu vois. Moi qui ai connu le pas d'internet, aller chercher des tips sur le Minitel, tu vois ce que je veux dire. Ta mère pouvait pas appeler au téléphone quand t'étais sur internet, tu vois. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et ben, moi, ça me rappelle. Ça, c'est vintage. Et ça, j'aime bien. C'est un clin d'œil, c'est un easter egg, en fait, qu'ils font à tous les boomers qui jouent à Rainbow Six. Et ça, j'aime bien, tu vois. Moi, ça me fait plaisir. Hein? Nique ta mère. C'est un autoban. Non mais sérieusement, Jérémy, je te conseille d'être en activé. Voilà. Si tu veux devenir un monstre sur le jeu, mets-toi en activé, en français, dans le jeu. Ok, voilà. Maintenant, si tu me demandes ce que moi j'ai, moi je suis en maintenir. Donc voilà, c'est tout. C'est pour me mettre un handicap. Non mais sérieusement, c'est pour me mettre un petit handicap, tu vois. Autrement, je serais monstrueux. Voilà, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer comment on fait des nouvelles phases décales que les pros font FTP? J'en ai parlé tout à l'heure. Les phases décales que les pros font. Ok, Sacha, dis-moi ton âge
Dis-moi sur quelle plateforme tu es. Ok. Et dis-moi quel est ton grade. Sans mentir. Ok, après on parle. Après, je te fais un cours en direct. Ok. Je te donne un tips rien que pour toi. Ok. Qui sera peut-être du type « Ne prends pas la tête avec ça. » Après, je suis sur console. Ah, Jérémy, j'en ai aucune idée. Je connais pas. Non, le console, je connais pas. Tous les trucs non compétitifs, lotière, tous ces trucs-là, je connais pas. Ah, je connais pas. Tous les trucs pour la famille, pour papa, tu vois. Qui rentre du boulot, qui s'assoit sur le canapé. Qui prend son pad parce que c'est plus grand, c'est plus pratique, tu comprends. Autrement, bah, on n'a pas de place. Hein, tu sais, et puis avec la petite qui vient d'arriver, on peut pas avoir un bureau et un berceau. On a dû choisir. Non, ça, je connais pas. Non. Moi, je suis un vrai gamer, tu vois. C'est vrai. Ah, il y a 2-3 vieux dans le chat, ils vont dire, ouais, mais c'est en plus. Le anti-console. Non, je suis pas anti-console, en plus, j'adore les consoles. Voilà. Tips, Alt F4, non, install. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit, du coup? Sakva, comment... Sacha, PC, 16 ans, plate 2, mais je sais pas comment elle s'appelle, les décales. PC, 16 ans, plate 2. Déjà, félicitations. Hein, de dire, non, mais c'est important de le rappeler, quand même. À ton jeune âge, tu as fait le bon choix déjà. Donc tu as mûri, tu es dans la cour des adultes. Merci Jess pour les 4 mois de frais de scolarité. Monstre, merci. Merci beaucoup, vraiment. Let's go. Ok. Donc, mon cher Sacha. Sale égoïste. Grave. J'ai envie de mourir. J'ai des connaissances de fou, des bons réflexes sur Rainbow Six, mais mon aim sent mauvais. Asgalu, mets-toi sur Aim Lab. Honnêtement, j'étais le premier à dire de la... Et on vient de banner les deux seules maps compétitives du jeu. Et on garde Border. Non, mais les gens sont cons. Ok. Franchement, Aim Lab est pas mal. Aim Lab est pas mal. Hein? Des nouvelles de Vibrassi? Oui, il est devenu directeur de campagne pour Marine Le Pen. Oui, il m'a appelé, il est ravi. Il est ravi de son nouveau boulot. Je plaisante, bien sûr. Ah, nickel! Non, je plaisante. Non, j'ai pas de nouvelles. J'ai aucune nouvelle. Ça me fait chier parce que franchement, il était très bon. J'ai toujours dit qu'il était très bon. Il était très intelligent aussi. Il était très intelligent, très en avance sur son temps, un peu foufou de temps en temps, voilà, ça peut faire, voilà. Mais moi je l'aimais bien Vibrassi, vraiment. À chaque fois qu'on s'est vu au Major de Paris et tout, vraiment je lui avais toujours dit des mots gentils, je pense, parce que vraiment j'ai toujours apprécié la personne, quoi. Après, oui, il y avait, voilà, hein, il y avait peut-être un petit manque d'expérience sur un ou deux trucs, mais bon, c'est normal, quoi. Oh, j'étais sûrement pire à son âge, honnêtement. Il a arrêté Vibrassi. Oui, il a arrêté. Il a arrêté avec une vidéo sur un air d'océan avec la marée à la cano. J'ai pas compris le truc. Mais pourquoi pas, hein. Après tout, c'est bien la cano. Il a supprimé sa chaîne. Non, sérieux? Après, tu peux peut-être la mettre en stand-by, non? Il a pris cher dans la gueule, le pauvre, alors que c'était un monstre. Oui, ouais, ouais, grave. Grave, grave, grave. Non, c'est clair qu'il en a pris dans la gueule, quoi. Mais c'est... Voilà, quoi. Surtout quand t'es en France, où il faut rien dire, où il faut être lisse et tout. Alors, aux States, je pense que c'est un peu pareil, mais... Derrière notre fausse... Si on réfléchit bien... Ah, je sais pas... Dernière, notre faux côté, on est méditerranéen, machin, on a le sang chaud, gros tempérament et tout. Si tu regardes les personnes qui sont les plus connues, les plus trucs, c'est pas ceux qui ouvrent le plus leur gueule, quoi. Hein. En gros, tu sais, dans l'e-sport, il faut être un Zinedine Zidane, quoi. Il faut faire les trucs en douce et il faut soigner ton image, quoi. Ouais, faut être lisse, faut être machin. Sérieux, hein? Faut être tout propre sur soi, c'est hyper important, autrement tu vas en prendre plein la gueule. Et à côté de ça, je pense qu'il y a une certaine hypocrisie quand même derrière sur certains trucs, tu vois.
Donc moi j'aimais bien... J'aimais bien Vibracy pour son côté entier en fait. Après il disait de la merde hein, mais... Enfin il y avait 2-3 trucs qu'il disait, de la merde, au même titre que moi je dis plein de merde hein, mais... Mais voilà. Je le sais bien. Mais je préfère ça que le côté ouais, et puis derrière en finale, voilà quoi. La cam. You again? Ouais, d'accord, ouais. On sait que t'es là, on sait que tu vas venir là. What? Ah le pilier, j'avais complètement oublié le pilier quoi. C'est trop bien que le drone de Twitch puisse sauter maintenant, non? Oh mais je suis vraiment trop un teubé ça. C'est vraiment trop bien ça, non? Hard right with a shotgun. I know. She's like 40. I need the other one. I just need the other one and then I kill the other one. He's just here. No! I'm behind the fucking wall! I'm behind the wall! Non, je le play, je l'outplay, je joue avec lui, je sais qu'il est là, je sais qu'il est allongé, je sais qu'il est à droite, je sais qu'il bouge pas, je sais qu'il est au contact, je sais qu'il a le shotgun, je le sais. Et l'autre, je lui dis, j'entends, j'attends juste qu'il mette sa tête en fait. Parce qu'il va prendre l'info à un moment, il va faire coucou. Et je tue et derrière, je me retourne. Derrière, je trigger le coup de shotgun et c'est bon. Tout est fait dans ma tête, mon dieu. Franchement, le truc, c'est un roman, le truc. C'est la Bible. C'est la Bible du round, là. Non, mais sérieusement. Et ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles que ton player soit là, ta hitbox soit là, putain. Ouais, je tire là. Ah ouais. We need to locate a bomb. Mec, jamais, il est sur WAM, là. On fait 100 fois ce duel en LAN. 100 fois, il rentre chez lui, là. Il prend ses affaires le samedi soir. Ouais, c'était sympa, la gamer assembly. Allez, bonne soirée. Allez, va. Putain, je le sais quoi, je le sais. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. C'est trop cool à jouer. Je suis désolé pour toutes les personnes que... Je le joue même pas pour le... Vas-y, lui, pareil, lui. Oh non. Quoi, c'est quoi cet impact? Agréable à jouer, c'est trop agréable à jouer. Je comprends les Twitch mains, sérieusement.
Bon, on fait quoi les amis là? Parce qu'on se touche en fait ou... Il va y en avoir un en face de moi là. Au shotgun encore ce con. Careful of frost trap. Yep. 15 seconds. Allez, décale. 10 seconds left. 5 seconds left. Friendly last operator standing. No! Woohoo! Run out of time. Woohoo! Pas assez de balles, c'est vraiment de la merde Twitch. On va dire Twitch, j'aime pas. Twitch, c'est de la merde. Hey, nouvelle vidéo. Attends, replay. Ah oui, elle est sortie quand? Aujourd'hui? Oh, s'il vous plaît, les amis. Live du 8 août. Ah oui, 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 ok. La vidéo sur la chaîne replay. Allez vous abonner, liker, commenter, partager. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Si vous faites ça, honnêtement, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous faites ça, si vous faites liker, commenter, partager la vidéo sur la chaîne replay, je vous assure, je vous offre à peu près 1 putain de lot de ouf qui consistera en fait à avec plein de trucs de ouf, des trucs de ouf de malade. Si après ça, voilà quoi. On y met les moyens. On y met les moyens. Merci Coquit pour les 13 mois de frais de scolarité. T'es un monstre, poulet. Merci poulet. Non, genre vraiment. Merci Daddy Off aussi pour les 6 mois. Vous êtes des monstres, les amis. Let's go guys, we can do it. I believe in you. I believe in everybody. We just need to communicate. It means turn on your fucking microphone.
Ok. Guys, secure the bombs. Vas-y là. Ah mais non, je suis con. D'ici, c'est totalement de la merde. On va pas se mentir. Et je sais pas pourquoi je fais ça. On perd 3 Z en plus. Putain, je suis vraiment trop con. Ok, j'active le mode, les amis. C'est parti. Elle est parfaite. Bam. Elle pue la merde. Lui, il est mort. Hop là. Il est pas mort. Mais il décale là. Et là, il est mort. Nique ta mère! Nique ta mère! Il était mort! Pourtant, il anticipe même pas le fait que je vais passer à la porte. Il tire même pas dans la porte. Come on, guys, you can do it 3v5. As we say in France, bon courage. Hein. Ils s'en battent les couilles. Hein. One pushing east stairs on my ping right now. Oh no, that was him. Good job. Grosse cam. Impact out. Bon chance. Ce jeu et ses joueurs. Ouais. One on my ping, bros. Like just here. It's a Ibana. She's pushing. Not really. She's coming back to the window. Coming back to east stairs. Around there. Op 4 has located a bomb. She's on my ping. You know, that switch. I don't know actually. That's someone with a fucking cowboy height at. You got her? Good. Who's that? C'est quoi c'était Twitch? C'est qui? Friendly, last operator standing. Ibana. Pushing, office, bro. Office inside already. That's a fake and the one is following just behind. Your monster. Four remaining. I got the camera. From east stairs. Office. Nice! I believed in you! Ils m'ont muté, hein. Ils m'ont total muté, hein. C'était Twitch? Ah la 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 la. Quel est le meilleur joueur FR sur Rainbow Six? Panchero. We need to go like bathroom, guys. Ventilation sucks. Non, non, pas le B. Non, pas le M14. Oh! Secure the bombs. Ah bah voilà, ils ont pris le truc en fait. Donc ils m'écoutent en fait. Ah bah c'est bien. Bravo les mecs, c'est une bonne chose.
compromised. 5 seconds and counting. Can we, like, reinforce this? Magnet deployed. Op 4 has located a bomb. Wall secured! Surya in place. Tu te souviens ce que tu m'as mis tout à l'heure, toi? Reload. One in the pass, here already. Bon, on se fait chier là, du coup, il se passe quoi là hein? Je suis sûr, il y a moyen de mettre des grosses dingueries avec cette arme quand même. Hein. Ils sont relous, non? Qu'est-ce que vous en pensez? What? Mais on fait rien là, je joue rien là, par l'autre là. Et enlève-moi, c'est... Oh bravo. Ah ça c'est de la kill cam. Ah oui. On a bien vu le C4 partir là. Imagine c'est ton kill, tu vois. Imagine c'est ton kill, ok. Genre 8-7, machin, enfin balle de match. Six invitational. BO5, 2 heures de match, overtime illimité, dernier kill de l'année. Derrière, l'argent va te permettre de payer pour les funérailles de ton père que tu n'avais jamais pu payer avant. C'est le kill de ta vie, quoi. Et pain. La kill cam marche pas. Et personne s'en souviendra du coup. Oh. Non, pas j'en déconne, mais nous, c'est ce qui nous arrive en finale de Pro League. Quand même. C'était drôle quand même. 5 minutes avant la fin, au moment où on soulève le trophée, il n'y a plus de stream. Genre, ouais, c'était bon, on se casse. Quel monde de bâtards, quoi. Elle était belle la Kimcam. Ouais, grave. La Kimcam, pardon. Oh, qu'est-ce que je fais là? Attendez, je suis en train de faire de la merde et il y a 3-2. Autant pour moi. Pushing here. Pushing in the
prison already. Nice. Ça, c'est cool que j'en mets. Bonjour. Non, il est trop intelligent, il m'a pingé en jaune. Je peux plus jouer là. J'ai trop joué les amis. Mon cerveau, j'ai plus envie. Là. Je suis en mode troll total. Là. Non, non, non. Je jouais pour une team avant. Ah oui, Young 6 mille est pintard. Quand même. Quand même. C'est quoi déjà la commande? Palmarès ça? Your location has been compromised. Non. C'est quoi déjà? Achievement? R6 trophée? Friendly, last operator standing. Fini? Enfin? Allez. Bravo. GG well played les amis. GG well played. Ok. Merde. J'ai vu c'est quoi la commande là? Les surveillants, bordel de merde. Zut alors. C'est quoi la commande? Achievement R6? R6 Achievement? En plus on essaie de faire la page wiki, l'Wikipédia en plus qui a pas été faite depuis des années. On essaie de la mettre à jour mais bon il nous à chaque fois il nous cancel le truc quoi. Les surveillants ça se réveille ou quoi? Ils en ont rien à foutre. Hein. Shelburne. Ah non c'est Reward R6 un truc comme ça. C'est un peu nul d'ailleurs. Non? Ah, reward de... Ouais, c'est un peu de la merde ça. Y'a pas le nom des équipes d'ailleurs. Non, il faut un truc... Je sais pas, palmarès et ça envoie directement vers la page de Wikipédia, ce serait bien. Ouais, faisons ça. Ok? Comme ça enverra directement vers la page Wikipédia. Si les gens veulent voir, il y a tout dessus. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas marqués quoi. On a remarqué l'autre jour en fait que la truc Wikipédia, il y a pas mal de trucs qui sont pas marqués dessus. Pas des trucs extrêmement importants, le principal y est, mais il y a quand même 2-3 petits trophées et médailles qui y sont pas. D'accord. Anyway. Alright, guys. Alright. Je réfléchis. Alors, attendez. 2 secondes. Est-ce que j'en dis GG à toi pour cette... Bah j'ai pas joué là. J'ai pas joué Zeno Max HD. Là on est en mode chill en ce moment. Ouais n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne s'il vous plaît. Et liker, commenter, partager la vidéo. Alright. N'hésitez pas à aller faire un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Ça nous ferait extrêmement plaisir les petits loups. Ok. Allez faire ça. Surtout que c'est la chaîne replay. Voilà. Est-ce que tout le monde y est? Est-ce que tout le monde y est? Okay. Est-ce que tout le monde s'est abonné à la chaîne? Likez, commentez, partagez. Ça nous aiderait énormément. Voilà quoi. Et vous avez un lot à la clé. 5 lots à la clé. 5 lots à la clé, exactement. Alright. Alright, guys. Alright. Je passe dans le bureau. Ok. Bon, c'est cool ces petites games sans prise de tête là. C'est vraiment très très cool en tout cas. Merci Grimaldi pour les 3 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. T'es un monstre, poulet. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alright, vous êtes des putains de monstres, sachez-le, les étudiants du campus de cette Salty Academy. Vous êtes des monstres. Alright. Bon, du coup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un peu live un peu plus court sur le campus de cette SA aujourd'hui. En plus, normalement, on essaie de faire un deuxième truc en partie de stream.
qui n'est pas du R6. Et là, en ce moment, bah, y a pas grand chose à se mettre d'autre sous la dent, on va pas se mentir. Donc, c'est un peu chiant. On attendra Back 4 Blood et bien sûr BF. Mais bon, ça, voilà. J'espère que vous serez présents en tout cas quand on ira dessus. Ça va vraiment être du lourd. On va vraiment se faire plaisir. Moi, je vais me faire plaisir en tout cas. Et ça va être vraiment cool. Alright. Bon, sur ce, vous l'entendez. Vous allez l'entendre derrière moi. C'est la musique, une fois de plus, qui marque la fin du campus de cette Salty Academy pour cette journée. À moins que quelqu'un décide de la couper. Putain de bordel de merde. Ok, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Du coup, je disparais de vos écrans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Les donateurs, cheerers, hosts, membres du Salty Fan Club, nouveaux et anciens étudiants du campus de la Salty Academy, les personnes qui cliquent sur ce lien et rejoignent le Discord de la Salty Academy s'ils veulent faire des parties endiablées sur n'importe quel jeu, et d'ailleurs sur lequel il y aura bientôt un truc qui s'appellera la Campus Cup, donc des compétitions organisées tous les mois sur différents jeux, à commencer par Rainbow Six pour le premier. Bref, merci infiniment à toutes les personnes qui font que le campus de la Salty Academy, une fois de plus, ira to the fucking top. Et d'ici à demain, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que certes, nous sommes salty, oui, mais pas que.